Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, même grandement spéciale. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, depuis quelques temps, il y a un élan collectif qui s'est créé. Il y a des tops et des bilans de la décennie dans tous les sens, et nous on s'est dit, bah pourquoi pas s'y essayer aussi. Alors on vous voit, c'est au fond de la classe, en train d'agiter le doigt énergiquement, on sait que la décennie se termine le 31 décembre 2020, mais que voulez-vous, on suit la masse, et puis pour citer un exemple bien connu, si Naughty avait sorti le son millénaire en 2001, ça aurait pas eu le même effet. La petite variante de notre côté, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait pas grand intérêt à se réunir à 1, 2, 3 ou 4 et à établir un classement selon nos critères et nos goûts. Du coup, on a ouvert le vote à toute la communauté Merugezu, d'abord sur le Discord et ensuite à tout le monde sur Twitter. Et le principe était tout con, hein. Il fallait faire un classement de 10 jeux minimum ou jusqu'à 25 maximum. Et du coup, le premier jeu du classement, il avait 25 points, le deuxième, il avait 24 points, le troisième, il avait 23 points, le quatrième, il avait 22 points. Nos votes avaient bien entendu la même valeur que les autres et on n'a pas participé au dépouillement pour pouvoir se conserver la surprise et découvrir les résultats avec vous lors de cette cérémonie. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le top 50 de la décennie. Donc le principe, on l'a expliqué en introduction. Des gens ont voté, donc des membres du Discord de Merugezu, et ça a été ouvert à tout le monde ensuite. Et nous, ce soir, on dépouille du coup plus ou moins en direct. Donc on s'est mis sur notre 31 pour l'occasion. Donc je suis accompagné, comme d'habitude, de mes chers camarades. Donc d'un côté, j'ai Théo le Fou. Bonjour Théo. Bonjour Ken, je suis en Marcel sous mon costume, je tiens à le dire à notre audience, je tiens aussi à dire un petit remerciement à Nico aka Bylate et Kaisermeister qui ont fait ce dépouillement. Et de l'autre côté, nous avons du coup le maître du style, celui qui nous a guidé dans notre habillement ce soir, j'ai nommé Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, ça fait hyper bizarre de pas vous voir là, je regarde juste ma caméra et c'est hyper chelou. J'ai l'impression tu sais d'être les gens dans les émissions genre de news qui sont là qui les chroniqueurs ou les trucs comme ça qui viennent parler d'un sujet. Oui alors. Oui parce qu'on a du coup on a déployé des moyens exceptionnels hein, pour ce top 50 du coup de la décennie. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis à New York. Ben ma foi, on va commencer directement hein, les amis, on va commencer par le 50e jeu. Donc coup, je vous laisse observer donc si vous voulez hein, ce qui s'est passé c'est que on nous a mis du coup le top 50, il est en balise spoiler sur Discord et nous donc on le révèle petit à petit. Donc là nous révélons le 50e jeu. J'appuie sur le bouton. Hop. Et le 50e jeu. Ah. D'accord, oui, en effet. Le 50e jeu, c'est Fury. Si jamais j'avais fait un top 10 des jeux les plus merdiques de la décennie, il aurait été dedans, mais ma foi, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc du coup, Fury est 50e du top 50 de la décennie Merugezu. On passe au 49e jeu de la décennie. Nous cliquons, les amis. Oh, alors, là, il y a du monde. Oh, c'est une égalité. Exactement. Alors. Donc là, du coup, 49e, Vanquish, Inside... Et The Walking Dead, saison 1. Alors, c'est important, hein, saison 1, du coup, parce que le reste des saisons, c'est un peu merdique. Inside, c'était très joli, mais alors, c'était très branlette. J'ai pas compris pourquoi les gens s'étaient autant masturbés sur ce jeu, mais pourquoi pas. Il y avait un truc. Et Walking Dead, saison 1, était... À l'époque, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui... Ouais. Avec tout ce qu'on mange en termes de jeux très narratifs etc à choix il a dû vieillir un peu mais c'était un bon jeu quand même hein. c'était bien très intéressant franchement quoi. Le format épisodique et la fin on a tous chialé je pense et oui nous n'en dirons pas plus au cas où des gens ne l'ont pas fait. Vanquish je ne l'ai pas fait hein. C'est un must have, un must play, j'y ai pas encore joué, j'ai envie de le faire un jour hein. J'ai entendu que c'était génial. Inside et Walking Dead, je les ai fait, ouais, et c'était bien, c'était top. J'avais voté pour Vanquish, je l'avais mis assez haut dans mon top, il me semble. Donc, écoutez, content qu'il ait passé, du coup, le cap du top 50. Oui, il ressort, du coup, en début d'année 2020, là, exactement. Donc, ça sera l'occasion pour les gens qui ne l'ont pas fait. Bon, du coup, moi, je recommande personnellement. On enchaîne avec le 48e. Hop, Fire Emblem Awakening, les amis, est 48e du top 50 de la décennie. Awakening a très bonne presse. Auprès des joueurs de Fire Emblem, donc du coup, s'il y a bien un Fire Emblem 3DS qui devait se retrouver là,
Ma foi, ça me semble logique que Awakening soit parmi nous. C'est aussi ce Fire Emblem qui a fait un petit peu connaître la série à un plus large public, qui a vraiment fait percer la série auprès du grand public, il me semble. C'est vrai. Si je ne m'avance pas trop. C'est pas faux. Je laisse la main du coup à Guillaume, qui va nous dévoiler les trois prochains titres de ce top 50 de la décennie, les amis. Eh oui, c'est exceptionnel. Numéro 47, avec 56 points, Xenoblade Chronicles X. Donc c'était l'épisode Wii U, c'est ça ? C'est ça, l'épisode Wii U. Wii U, ouais. C'est ça. Qui a pas dû être beaucoup joué à cause des ventes pas terribles de la Wii U, j'imagine. Donc nous, en plus du nombre de points, on a aussi le nombre de votants par jeu. Donc là, en l'occurrence, il y a eu trois personnes qui ont voté pour Xenoblade Chronicles X, mais comme ils l'ont vraiment bien placé dans leur top, le jeu a acquis beaucoup de points et du coup, ça lui a permis d'arriver à la 47e place de ce classement. En numéro 46, Dragon Ball Fighter Z avec 58 points et Max Payne 3. Max Payne 3 était dans mon top. Moi aussi, mon Guigui. Ouais. Eh ben moi, on voit que une personne lui a donné un point. Je crois que c'était moi. Je crois qu'il était tout à la fin de mon top. Mais c'est un jeu que j'avais bien kiffé en tout cas. C'était du grand n'importe quoi, mais ça marchait terriblement bien. C'était une réinterprétation Rockstar de Max Payne. Ça marchait très bien. C'est pas du tout le meilleur des Max Payne. Peut-être en termes de système de jeu, c'est le meilleur. Moi, après, en termes de scénario, d'univers, etc., c'était assez particulier, mais franchement, il marche très très bien. Le moteur le Rage Engine, hein, qui fonctionnait super bien dans le contexte, ben, justement, bullet time, où tu voyais vraiment le corps, finalement, des adversaires s'effondrer de manière crédible, hein, avec Euphoria et tout ce système de physique, ouais, je crois corps. Que c'était un des premiers jeux avec le nouveau moteur de c'était Rockstar, après Red Dead, après non, c'était quand même après Les Noirs, après GTA 4, mais c'était justement quand ils commençaient à vraiment maîtriser et maîtriser le Rage Engine et l'Euphoria. Et Dragon Ball Z, alors qui l'a fait ? Alors moi j'y ai pas combat. Mal joué. Oui, c'est un jeu de combat du coup qui reprend un peu la formule de Marvel versus Capcom 3. Ma foi, il a totalement sa place dans ce classement, je pense. Moi personnellement, je l'avais pas mis. Je vois qu'il a 6 votants, donc c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont voté pour lui. Ouais, 6 votants, c'est pas mal. Max Payne en avait 5 aussi, mine de rien. Donc c'est quand même pas mal. C'est un jeu qui pour moi, ça a été un peu le Street Fighter 4 de sa génération, Dragon Ball Fighter Z. Ouais. C'est que ça a permis d'emmener d'autres gens sur la licence, et que le jeu était assez accessible avec pas mal de profondeur en même temps. Il tient encore là actuellement sur la communauté du versus fighting, même s'il s'est fait un petit peu bouffer par Smash, mais tout s'est fait bouffer par Smash. Et du coup, non, franchement là, 46e place, c'est mérité pour Dragon Ball Fighters. Alors, en 45e position, avec 4 votants, 59 points, Into the Breach, qui était, putain, dommage qu'on n'ait pas en direct, parce qu'il est encore gratuit sur... Je crois qu'il est encore gratuit sur les Epic Games. Il était gratuit ce matin et je crois que t'as raison, je l'ai chopé tout à l'heure, il me semble. Ouais. Il me semble qu'il est gratuit en ce moment. Bon, désolé. Téléchargez-le, mes amis. Dommage, on n'est pas en direct. On passe au 44e, finaliste. Oh, très bien. Avec 60 points, un jeu marquant de la décennie. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. C'est Minecraft. Voilà, je le dis et. Et ben Minecraft, on était là, nous les vieux briscards avec Ken, hein, et on jouait. Tu t'en rappelles, hein, c'était un peu compliqué parce qu'à l'époque on s'était pas encore rencontré physiquement, Ken, mais apparemment on s'échangeait des serveurs avec nos amis en commun ou machin truc. Et c'était l'éclate, hein, le tout début de Minecraft. Si je peux en placer un mot, le jour où j'ai découvert vraiment avec le mode survie et tout, quand je crois qu'il venait de, je sais plus exactement, c'était 2010, quelque chose comme ça. Et c'était que je me rappelle y avoir joué en 2010-2011, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, d'abord, j'ai vu ça comme un jeu vraiment indé, limite expérimental, tu vois, avec le mode survie, les façons dont tu pètes les câbles quand tu te crois à l'abri, mais il y a un squelette qui vient t'attaquer. J'ai toujours considéré que c'était un bon jeu. Et après, on y a joué en réseau. Ken, tu peux en dire quelques mots, je pense. On pouvait se créer ses propres serveurs. Donc à l'époque, je pense qu'aujourd'hui c'est plus simple. Hein. Il doit y avoir des serveurs dédiés, je pense. Mais à l'époque, tu devais te servir de ton ordinateur pour faire. Tu transformais ton ordinateur en serveur Minecraft, en fait. Ouais. À l'époque, genre si tes potes voulaient jouer, tu devais laisser tourner ton ordi pour que tes potes puissent jouer dessus, parce qu'au moment où tu fermais ton ordi, bah le serveur était déconnecté. Donc on a passé pas mal de bon temps dessus à customiser, à créer pas mal de petits trucs. Guillaume, tu as joué toi à Minecraft ? Ouais, j'ai pas mal joué avec mon frère à l'époque. Je suis un peu déçu d'être arrivé avant tout ce qui était
Même si au final c'était un jeu Telltale, mais genre avant tout ce qui était histoire, etc. Ça, je pense que c'est un jeu qui a manqué d'une vraie campagne, qui a manqué d'un. Ouais, le mode histoire et tout, ça c'était avant, ouais. Tu vois, genre, je trouvais, en fait, j'adorais le concept, mais je suis pas ce genre de personne qui arrive à vraiment prendre du plaisir dans un jeu purement bac à sable. J'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin qu'on me raconte quelque chose, etc. Et là, du coup, avec mon frère, on y a joué pas mal de temps, mais ouais, ça manquait. Je trouve que ça a manqué d'un scénario, d'une vraie campagne, quoi. Allez, on enchaîne. 43e, mes amis. Yeah, allez, cliquons. Alors là. Oh, oh. En 43e position, avec 61 points. On a trois jeux qui ont eu ce score de 61. On a Dishonored 1, Donkey Kong Tropical Freeze et Hitman 2, la version de 2018. Petit mot sur Dishonored, un immersive sim genre que j'affectionne particulièrement. 42e, mes Alors, amis. Alors, cliquons. Alors, oh là 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 oh. là. Oh là là, incroyable. Oh. Alors, un très beau trio, je trouve, en 42e place, avec 62 points chacun. On a Super Smash Bros. For 3DS and Wii U. Donc voilà, l'opus qui était sorti simultanément sur les deux plateformes de Nintendo, c'est-à-dire la 3DS et la Wii U. On a Monster Hunter World, hein, le jeu qui a fait un vrai boucan, le buzz, on peut le dire, c'était l'année 2018, si oui, je m'abuse. D'ailleurs, il a été placé fois premier et une fois deuxième, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est 42e. Il avait que 3 votes, Monster Hunter, mais il a eu quand même 2 grosses positions dans le classement, ouais. Ah, voilà. Quelqu'un l'a mis premier, je pense que c'est Kaiser Meister, dédicace à lui. Et enfin, toujours à cette 42e place, un jeu que j'ai particulièrement aimé, Evil Within. C'est un jeu que j'ai encore oublié, tu vois, quand j'ai fait le top de la décennie, je l'avais complètement zappé, ce jeu. Et là, on voit que pareil, il a que 3 votes, mais il a un vote où il est deuxième et il a un vote où il est quatrième. Donc c'est que, mine de rien, les gens qui l'ont apprécié l'ont vraiment apprécié. Et je pense que, une fois, c'est un jeu qui mérite sa place dans le top. Je suis plus surpris, par contre, par rapport à Smash Bros. Pour 3DS et Wii U. Parce que même si le jeu a des bons côtés, par exemple le fait que il y avait encore les trophées à l'époque qui ont été virés depuis de la version Switch, c'est mine de rien une version assez faiblarde comparée à la version Switch qui est vraiment la version qui porte très bien son nom Ultimate, la version ultime de Smash Bros. Donc c'est vrai que il y a eu 2 Smash Bros sur la décennie et quand même malgré tout trouver Smash Bros 3DS et Wii U dans le top, je trouve ça assez dingue personnellement. Et nous dévoilons le 41e. Alors, là il y a un jeu, je crois que je l'avais mis dans mon top de mon côté. Bon, on va les énoncer. Il y a Control tout d'abord, il y a Fez dans un second temps, et il y a ensuite Metal Gear Rising Revengeance, pastèque qu'il découpe, n'est-ce pas? Control, c'est assez surprenant qu'il soit 41e parce que c'est un jeu qui est sorti cette année. Ouais. Et bon, là-dessus on avait un petit débat. Est-ce que vous pensez du coup que les jeux qui sont sortis le plus proche de la date du vote sont plus susceptibles d'être dans le top plutôt que des jeux qui sont sortis au début de la décennie, justement? Je pense que c'est le contraire, moi. Ah non, je pense que c'est... Ah, tu sais ce que je pense? C'est que une personne qui va faire son top un peu vite fait, malheureusement ça arrive, un peu à l'arrache, aura tendance à mettre le jeu qu'il a joué la semaine dernière en premier. Je vous vois, les mecs, je vous vois, ne vous cachez pas, je sais ce que vous avez fait, les gars. Voilà, je sais qu'un de mes amis, tout le monde est mon ami sur le Discord, mais un gars qui a mis un jeu, il l'avait pas encore fini, il était dessus, il l'a mis troisième. Donc ça, c'est c'est pas grave. Control, c'est un bon jeu que j'ai fini pour le coup. Mais oui, bien sûr, non, à ta question, Ken, on prend le risque, évidemment... d'être dans la hype, être plein d'entrain et se dire oh, ce jeu est tellement marquant. Je suis pas d'accord parce que, en tout cas, personnellement, je parle de ma réflexion personnelle, mais moi, tu me dis top de la décennie, forcément, je vais revenir en arrière automatiquement et je vais un peu mettre de côté des jeux que j'ai fait cette année. Bah, je suis d'accord avec toi, Guillaume, c'est que moi, volontairement, j'ai éludé, par exemple, Death Stranding, j'ai pas mal réfléchi, je me suis dit est-ce que je le mets? Mais en fait, j'avais pas assez de recul, tu vois, par rapport à des jeux que j'ai fait il y a 7-8 ans, et du coup, j'ai été incapable de le mettre, parce que, je peux le mettre dans mon top de l'année, parce que voilà, c'est sur l'année, machin et tout, même s'il est sorti fin octobre, mais un jeu, malgré tout, sur 10 ans, tu te dis que prendre les deux derniers mois d'une décennie, c'est pas super pratique, donc du coup,
Je comprends ton raisonnement, Guillaume, mais je trouve que vos deux avis se tiennent en tout cas. Bon, toujours est-il que Control est 41e. Il y a aussi l'effet inverse qui fait que certains jeux début 2010, on était encore des jeunes très influençables et effectivement, peut-être qu'on a trouvé certains jeux fantastiques et aujourd'hui, en tant qu'adulte, on se dirait, je sens que Théo est en train de semer des graines pour pouvoir attaquer des futurs jeux dans le classement. non. Guillaume, je te laisse parole pour Fez parce que je sais que c'est un jeu que t'apprécies. Tu nous avais demandé de faire. Je l'ai mis dans mon top. Ah voilà, donc tu fais partie des quatre votants. Je suis dégoûté qu'il soit que 41e. Ouais. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment un jeu marquant parce que d'un côté, c'est comme un peu Braid, tu vois, c'est ces jeux qui ont lancé la vague indé. Et en fait, après, je sais, c'est pareil, c'est mon raisonnement à moi. Mais sur ce top, j'ai aussi pensé à des jeux, même si c'est des jeux que j'aurais pas forcément mis dans mon top, mais qui pour moi ont réellement apporté aux jeux vidéo. Et je trouve que Fez et Braid, dans les deux, ont ce truc où ils ont apporté quelque chose aux jeux vidéo. Et quand tu fais un top de la décennie, je pense que c'est les choses auxquelles il faut penser. Et Fez, pour moi, c'est un voyage qui est extraordinaire et qui est magnifique, quoi. Que ce soit en termes de DA ou de musique ou même les puzzles, etc. Enfin, il y a tout un truc qui marche très bien, mais c'est plus de la nostalgie, donc c'était plus pour le côté indé que je l'ai mis dans le top que le côté mon propre jeu, parce que c'est plus de la nostalgie. Je vois ce que tu veux dire, ouais. On va finir sur vite fait le Metal Gear Rising Revengeance. Je crois que je l'avais mis dans mon top. C'est un jeu qui est pas mal critiqué, mine de rien, pour plein de petites choses, entre autres son histoire de merde et son dernier boss ridicule. Mais malgré tout, je trouvais que c'était, à l'époque en tout cas, une bonne façon de prolonger l'expérience Bayonetta qu'on avait eu 3 ans auparavant. Et c'était vraiment le moment où Platinum était, à mon sens en tout cas, à son apogée. Parce que t'avais eu du coup Bayonetta Vanquish, après t'as eu Metal Gear Rising Revengeance, et c'était vraiment la meilleure période de Platinum pour moi. Donc ouais, il me semble que j'ai voté pour lui, mais mon classement est plus frais en tête. Content de le retrouver du coup en 41e position. On avance les amis, on part sur le 40e. Alors il y a beaucoup d'ex-echo hein, pour le moment. Donc là le 40e du coup ça va être Deadly Premonition d'un côté, et Danganronpa 2 Goodbye Despair de l'autre. Je connais pas ces jeux. Alors, j'allais le dire, Guillaume, c'est deux jeux de niche quand même. Là, en l'occurrence, donc Deadly Premonition, qui est un jeu de Sueri, qui est ressorti récemment sur la Switch. D'ailleurs, Guillaume, si t'as envie d'essayer Deadly Premonition, sache qu'il est ressorti sur Switch et qu'une suite arrive. Et de l'autre côté, du coup, on a Danganronpa 2, qui est un visual novel qui avait été évoqué dans la mixtape de Mehdi des Babies Organi, puisqu'il est très fan de Danganronpa. Oui. Tu te rappelles maintenant? Ouais, mais quand j'ai vu le nom, j'ai eu ce flash de Mehdi qui parlait de ça. Oui, mais voilà. J'étais pas sûr parce que c'est des noms assez compliqués. Mais c'est là que c'est chouette du coup de faire un classement avec les membres qui suivent Mirogezu, parce que bon, c'est deux jeux japonais d'abord, et c'est deux jeux de niche vraiment, et le classement était forcément un peu restreint, c'est forcément des gens qui nous suivaient et qui ont fait le classement, et je pense qu'on n'aurait pas pu retrouver ces jeux dans un top 50 de la décennie partout. Ouais, et là au final, 40e position, voilà, 3 votes du coup, 4 votes pour Deadly Premonition et 3 votes pour Danganronpa, et dans les 3 cas en plus, il a été positionné dans le top 10. C'est aussi ça les joies de dépouiller du coup un top qui n'est pas uniquement le nôtre, et c'est pour ça qu'on voulait faire un top collaboratif. C'est que on aurait fait notre top 50 à nous, on aurait évoqué que des jeux qu'on connaît. C'est pas super intéressant, je trouve personnellement, de faire un top limité à nous-mêmes. Déjà qu'on n'est pas très friand de l'exercice du classement basique quand on fait un bilan de l'année, par exemple, on cherche des petites catégories. Là, du coup, ce qui est bien avec ce top 50 de la décennie, c'est qu'il y a des jeux, on les a pas fait, limite on les connaît, mais au moins ils ont leur place et au moins on en parle, même si on n'a pas grand-chose à dire dessus. Les gens peuvent aller checker sur Google. Oui. Checker sur Google et voilà. Exactement, démerdez-vous. Faites après tout. Faites-vous plaisir, les amis. On passe au 39e. Donc, le 39e du classement. Ah, alors, d'un côté, nous avons Papers, Please. Et de l'autre côté, on a Resident Evil 7. Voilà, je dis le nom avec un accent anglais, mais ensuite, je donne le chiffre en français. Mais parce que c'est comme ça qu'on fait. Vous y avez joué, vous, à Resident Evil 7, les amis? Oui, bien sûr. Resident Evil 7, celui en première personne, super retour de la série.
Là, ils ont excellé, parce que entre ça et ce qu'ils ont fait après, Resident Evil 2 Remake, c'est énorme. Je veux dire, et là, en ce moment, je jouais justement à Resident Evil 6, et quand tu vois la comparaison, c'est genre, vraiment, ils revenaient de loin. Pourtant, le 6, il est quand même enjoyable. Oui. Tu peux prendre du plaisir à y jouer, mais bon, là, ouais, non, on est sur un autre niveau. Que ça soit pour Resident Evil 2 Remake, mais le 7, c'était énorme. C'était, en gros, ça commençait comme un jeu... horreur simulator walking machin truc, et puis après ça revenait un peu plus avec de l'action, avec du vrai shoot. C'est vrai que c'était bien foutu. Non, ouais. C'est énorme, et puis et... ouais, c'était bien. Ah bah tu l'as fait en stream. Oui, c'est vrai que je l'avais fait en stream. Bah oui. Exactement. Vous pouvez checker sur la chaîne Merugazi. Exactement, allez regarder, il y a tous les épisodes du début à la fin du jeu. Guillaume, tu as réagi à Papers, Please, du coup, est-ce que tu l'as fait, toi, de ton côté? J'ai commencé, mais je trouve ça très drôle de le voir dans le top, parce que beaucoup de gens l'ont mis dans son top, dans leur top, quand même. Donc, je trouvais ça assez intéressant, quoi. Bah alors là, tu vois, tu vois que là, personne l'a mis dans le top 5, ni même le top 10, si je ne m'abuse. Non, mais tu vois, il est dans les esprits, ouais, parce qu'il y a c'est... beaucoup de votes, en fait. Voilà. Bah, comme toi, Guigui, je l'ai commencé, j'ai eu une fin, j'ai pas bien compris, hein, je ne suis pas assez intellectuel pour ce jeu soviétique. J'y ai joué en Russie, d'ailleurs. J'y ai joué en Russie, donc j'étais dans l'ambiance avec le visa et tout. Oui, ça m'a parlé, mais bon. Oui, les amis. Les amis, avant de passer la main à Guillaume, je tenais juste à dire que ce n'était pas une très bonne idée de tourner ce top 50 de la décennie dans cette tenue après les fêtes, parce que là, j'ai l'impression qu'à tout moment, des boutons vont exploser sur ma tenue. Ouais, j'ai méga chaud. Ouais. Mais bon, ma foi, c'est comme ça, je vais continuer de retenir ma respiration jusqu'à la fin de l'enregistrement. Guillaume, c'est ton tour, du coup, tu vas dévoiler les positions suivantes du classement. Alors, en 38e position, on commence avec des jeux tout seul, parce que c'est chiant les listes. Oui, c'est vrai que là, il n'y a plus d'ex-aequo, du coup. Avec 70 points, nous retrouvons Animal Crossing New Leaf. Ça, c'est un jeu pour le petit Ken. Oui, exactement, que dire à part que Animal Crossing c'est un jeu extraordinaire et que alors je sais pas non il y a je crois qu'il y a qu'un seul Animal Crossing qui est sorti sur la décennie, du coup New Leaf, et c'était une version qui était vraiment vraiment chouette, qui avait pas mal amélioré des petits trucs ici et là. Tu pouvais être maire de ton village. C'est le truc qui est cool dans Animal Crossing, c'est qu'à chaque épisode la formule globale reste la même, mais ils te rajoutent toujours une petite option qui est super cool. Et là en l'occurrence tu pouvais un petit peu dessiner ton village à ta guise, parce qu'avant tu prenais le village tel qu'il était et tu pouvais pas changer grand chose. Là tu peux changer un petit peu le thème de ton village, entre guillemets. Tu peux avoir des thèmes de mairie différentes, de lampadaires différents. Bon, là pour quelqu'un qui est complètement en dehors d'Animal Crossing, je pense que vous en avez rien à foutre de ce que je raconte, mais toujours est-il que vraiment sur le moment, quand t'es fan de la licence et que tu découvres ce genre de petit ajout, c'est très sympathique. Alors en 37e position, avec 73 points, What Remains of Edith Finch. Et yeah. Est-ce que quelqu'un est capable de parler de What Remains of Edith Finch? Je l'ai fini, mon Ken. Je l'ai fait, ouais, j'ai fini. J'en étais sûr que Théo l'avait fait. Je suis hipster, hein, je suis hipster. Ben non, mais c'était un jeu, si tu veux, tu commences, tu te dis, bon, c'est un walking simulator. Et en fait, c'est un jeu qui va plus loin que ça, avec par l'intermédiaire de différents chapitres qui vont faire même évoluer le gameplay ou vraiment la représentation du jeu sur l'écran et tout. Faut pas spoiler, faut y jouer, en fait, tout simplement. Et il me semble que, vous voyez, ne soyez pas comme ma petite amie, mais les amis, car elle a commencé, elle a fait « Ah, oh, c'est encore un jeu, Walking Sim, cliché et tout ». Elle est partie, et après, j'ai continué tout seul, et je me suis régalé, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment cool dans ce jeu. C'est à la fois touchant et à la fois intelligent, je pense qu'on peut le dire, ouais. Est-ce que tu l'as mis dans ton top, Théo? Tu l'aurais mis dans ton top, ouais. J'aurais pu le mettre, mais je ne l'ai pas mis, malheureusement, parce que 25 jeux, on a fait des tops de 25 jeux, et voilà, il n'y avait pas la place pour tout le monde. En 36e position, avec 74 points, Kid Icarus Uprising. Alors moi, personnellement, c'est un jeu que j'ai chez moi. Mais le truc, c'est qu'il paraît que c'est super relou d'y jouer, genre il faut limite une troisième main. D'ailleurs, le jeu à l'époque, il était vendu avec un espèce de support pour pouvoir y jouer. Oui. Il y a un délire de deuxième stick et en plus, tu devais poser ta console. Le jeu est vendu avec un putain de support pour poser ta 3DS dessus pour y jouer dans de bonnes conditions.
Alors apparemment il est super cool, mais de base un jeu où qui est pas adapté à la console sur laquelle tu le fais, enfin c'est un peu bancal. Ouais. Bon bref, toujours est-il que là il a eu 5 voix quand même, c'est pas rien. Donc quelqu'un qui l'a mis en première position, donc ma foi il a récolté 36 points et moi ça me donne envie mine de rien de m'y essayer parce que c'est vrai que le jeu dort chez moi depuis un moment et je me dis que c'est peut-être l'occasion. En 35e position avec 76 points, nous avons le premier Nier. Donc, oui. Nier Gestalt ou Nier je sais plus quoi, c'est ça? L'autre, c'était Réplicant, je crois. Réplicant, ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'était un jeu qui avait une réputation, avant que Nier Automata sorte, en tout cas, il avait une réputation d'avoir une des meilleures OST, ce que Nier Automata a confirmé d'une certaine façon, parce que voilà, bon, ça envoie du pâté, les OST de ce jeu. Donc, c'est vrai que j'avais écouté l'OST de Nier, mais je n'y avais pas joué, c'est Pazou qui avait joué dans notre équipe hein, d'ailleurs, mais il n'est pas là ce soir malheureusement. 34e position mes amis, ça chauffe, ça se réchauffe. Hein. Avec 79 points, Journey, tout simplement Journey, le jeu de Genova Chen, n'est-ce pas, qui a suivi Flower d'ailleurs. Et c'était un jeu, on était encore à une période où il y avait un peu de... Comment tu pourrais dire ça, Guillaume? T'en parlais tout à l'heure. C'était encore un peu les prémices de la fraîcheur du jeu indé. Donc, c'est arrivé avec une identité. Ouais. Dis-moi. C'est peut-être... Est-ce que c'est pas un peu le début... De la fin. Le début des petits studios indés chez les gros éditeurs, quoi. Attendez. Minute ancienneté, pour rigoler un peu. Mais Genova Chain, j'avais téléchargé un de ces jeux qui s'appelait Cloud sur Internet à l'époque. J'y avais joué, ça se voulait très artistique, et je m'étais dit, c'est vraiment de la merde qui se veut artistique. Et ce n'est pas mon avis concernant Journey, mais ça peut donner. Non, mais après, Flower aussi, quand c'est sorti, c'était frais, c'était quelque chose de nouveau. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est tellement du génie? On se pose la question. Quant à Journey, c'est un peu mieux fichu, on va dire, ouais, effectivement. Puis j'ai du mal à considérer un truc d'une heure comme un vrai jeu que tu peux mettre dans un top, etc. Ouais. Pour moi, il y a une différence entre jeu et expérience, tu vois, genre, ouais. Journey, j'ai adoré, mais, enfin, ouais, c'est quoi, c'est une heure et demie de jeu, quoi. Oui, bon, après, la durée ne veut rien dire, mais, alors moi, je l'ai pas fait personnellement, mais c'est vrai que les gens qui m'en parlent, en général, c'est, ils ont été transcendés par l'expérience. Pas encore une fois, ouais. Oui, c'est vrai que Pazou avait joué à Journey. Et là, en l'occurrence, quand tu vois les votes, on a eu que 5 votes. Quoique 5 votes, c'est pas mal quand même sur une quarantaine de votants. Et dont 2 personnes qui l'ont mis en 2e et 3e position. Donc ça a l'air de les avoir pas mal marqués, ouais. C'est le risque quand on laisse voter des moins de 18 ans. Je rigole, mes amis. Le jeu est pas non plus... Enfin, ouais, je sais pas, j'ai du mal à... J'aurais pas mis dans... Enfin, il est pas si... Ouais, je sais pas. 33e. Ah bah, ça c'est pour mon Guigui. C'est Richard the Obradin 2018. Oui. Et pas 2015, c'est ça. PC. Bah 2015, c'est les anciens qui savent. C'est les anciens. Avec 82 points, s'il vous plaît. Hein, Guigui, parle-nous de Return of the Obradin. Oh yeah. un jeu d'enquête dans un bateau qui revient à quai avec personne dedans et c'est juste des fresques en fait, on se balade dans les fresques et on essaye de découvrir qu'est-ce qui s'est passé quoi, et un jeu d'enquête qui est pas du tout frustrant, et ça c'est très bien et qui est très accessible, ouais. Tout est très organique et très accessible. Je conseille. Si vous voulez plus de détails sur l'avis de Guillaume sur Return of the Obradin, il en avait parlé dans un des derniers podcasts de Merugezu, donc si je ne m'abuse, Si vous voulez plus d'infos sur Return of the Obradin, je vous invite du coup à aller l'écouter ou le visionner sur soit plateforme de podcast, soit YouTube. C'est à moi, je crois. Hein, on a fait un tour de table. Exactement. Allez, c'est parti. Je dévoile le 32e. Hop. Oh. Resident Evil 2 Remake. Ah, exactement, oui, tout à fait. Pour ma part, ça a été mon GOTY de l'année 2019. Donc du coup, là, il a récolté quand même pas mal de points pour un jeu qui est sorti en 2019. Voilà. 83 points en tout et pour tout, dont une personne qui l'a mis en 3e et une personne qui l'a mis en 4e position. Franchement, remake de fou. Un jeu que, quand j'y jouais, je trouvais que c'était un jeu quasiment parfait, quoi, dans ce qu'il offrait, quoi.
C'est vraiment excellent. Et on en redemande. Moi, personnellement, j'en redemande. J'en pourrais en prendre 10 à la suite, des comme ça, honnêtement. Hein. J'ouvre la 31e case. Qu'est-ce que c'est? Ah, God of War, du coup, God of War, le reboot, entre guillemets. Ah ouais. Ouais, qui est du coup le cinquième épisode, si je ne m'abuse, peut-être même plus, parce qu'il y a des épisodes PSP, de la licence God of War. Moi, j'ai pas fait les autres et c'était pas des jeux qui m'intéressaient du tout. Ouais. Et pourtant, celui-ci, il était vraiment cool. Il allie des mécaniques de beat'em up intéressantes. On en avait parlé, je crois, à l'époque, dans un podcast. On avait passé pas mal de temps dessus. Mécaniques de beat'em up intéressantes et qui, en plus, ajoutent des mécaniques de game design actuelles, donc ces fameuses armures qui sont de plus en plus rares et qui débloquent de plus en plus de possibilités, ce petit côté un petit peu RPG, la relation avec Atreus, etc. God of War, personnellement, j'ai adoré. Non, moi, il était dans mon top, mais ça m'étonne qu'il soit si bas, honnêtement. Eh ben, moi, ça ne m'étonne pas, mon Guigui. Je vais vous dire pourquoi, au microphone. Ce jeu, on refait un top dans 5 ans. Il n'est pas dans le top, mes amis. Hein. C'était un jeu qui a eu sa hype, qui était impressionnant techniquement, qui racontait un petit peu quelque chose. Mais il n'a pas réinventé la roue. Hein. Je ne vous le fais pas lire, mes amis. Très bien Théo. Alors, je tiens à signaler quand même qu'il a eu 10 votes. Ouais. Si j'ai bien compté, ouais. Et je crois que c'est le premier jeu qui a eu autant de votes, donc on voit qu'on commence à grandir un petit peu dans le classement. Ouais. Les amis, on rentre dans le top 30 de la décennie par le top Merogezouk fait par les membres du Discord et pas que, parce qu'on l'avait ouvert à tout le monde sur la fin. Et donc du coup, je laisse la parole à mon cher ami Guillaume qui va dévoiler la 30e position. Ah, c'est vrai. Ouais, autant c'est pour moi, je toi. Délègue à mes collègues, mais je dois continuer. Hop. Et c'est Super Mario Galaxy 2 qui a récolté 93 points. Donc du coup, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 votants. Eh ben écoute, le Mario Galaxy 2, c'est le Mario pour les fans de Mario, du Mario 3D en tout cas, de la performance aussi, c'est-à-dire qu'il va prendre la formule de Mario Galaxy, la pousser plus loin avec beaucoup plus de challenge, avec un jeu qui ne se termine jamais vraiment. Une fois que t'as récolté toutes les étoiles, t'as encore le double d'étoiles qui réapparaissent avec... C'est plus très frais dans ma tête, hein, mais en gros, t'avais énormément de missions secondaires, d'étoiles à choper, de galaxies à choper. Je sais plus c'est quoi qu'on va ramasser, mais il s'inscrit dans la lignée de tous ces Mario 3D que j'adule, moi, de toute façon, que ça soit le 64, le Sunshine, Galaxy 1, 2 et maintenant récemment Odyssey. C'est génial, enfin voilà, celui-là il était moins ouvert que peut-être les autres, c'est beaucoup, c'était moins ouvert, mais un jeu de ouf. Et cette fois-ci, je laisse pour de vrai la place à mon ami Guillaume, pour la 29e position du top de Merogezou. On arrive bientôt à la deuxième moitié, donc là les choses deviennent vraiment sérieuses. Yep. Alors, en 29e position, ils sont ex aequo avec 98 points, on a Batman Arkham City et The Last Guardian. Arkham City à l'époque, c'était l'Arkham Asylum et porté dans le monde ouvert, c'était une gifle, c'était énorme. En plus à l'époque, on venait d'avoir un nouveau PC à la maison, hein, donc ça tournait super bien, c'était super beau et t'avais ce Gotham City dans la nuit sous la neige, si je me rappelle bien, je me rappelle cette cathédrale gothique au milieu de cette ville moderne et voilà, vous connaissez ce jeu, hein, je vais pas tergiverser. The Last Guardian, un jeu qui va vous faire chialer, mes amis. un jeu que Pazou avait fait également. Ouais, je l'ai prêté, je me souviens. Le troisième jeu de Fumito Ueda, de sa trilogie Nico Trico. Le nom de code de Shadow of Colossus, c'était Nico. Comme en japonais, Ni veut dire deux, n'est-ce pas? De l'information chez Merogezou. Et Last Guardian, vraiment un jeu qui tentait quelque chose, qui devait sortir sur PS3, on l'a attendu genre 10 ans aussi celui-là je crois. Et même sur PS4, le jeu avait quelques lacunes techniques, personnellement je m'en fiche, quand c'est ce genre d'expérience et ce genre de... voilà, ça dépasse la technique mes amis, tout simplement. Et puis Trico, l'animal Trico, c'est encore quelque chose qui est exceptionnel même aujourd'hui dans le jeu vidéo, hein. c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Alors... En 28e place, avec 100 points, Hotline Miami 2. Oh, nice. Eh bien, 100 points, c'est... Et alors, il y a beaucoup de votants, hein, je crois. Non, c'est... alors attends, là, c'est fourbe. Non, je crois que c'est Hotline Miami premier du nom, Guillaume. Oh oui, pardon, il y a eu deux... Ah, pardon. Oui,
C'est que le 2, en fait, fait partie du comptage de points. Côté, donc, du coup, Oui, c'est vrai que ça portait à confusion. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votants, encore une fois, pour Hotline Miami. Ouais, bah, un jeu qui a marqué pour sa BO aussi. Et... Oui. Et qui était un peu, ouais, le dé... Est-ce que c'était un jeu d'Evolver, ça? C'est un jeu d'Evolver, non? C'est un jeu d'Evolver, tout c'est à fait. C'est un peu un jeu qui a lancé l'espèce, cette espèce de vague d'Evolver, je trouve. Exactement, ouais, très, bah. Très subversif. Devolver s'est construit entièrement sur Hotline Miami. Leur identité, ce n'est que Hotline Miami à la base. Et après, ils ont demandé ou ils ont essayé de faire du Hotline Miami non-stop ad nauseum. Mais jeu de ouf à la base, Hotline Miami. Moi, j'ai adoré le 2 aussi. Jeu de ouf qui proposait un truc assez frais au niveau du gameplay, au niveau de la narration, au niveau graphique même et au niveau des musiques. Donc... vraiment atmosphérique et aussi très amusant à jouer, je trouve, personnellement. J'en profite, petite minute promo pour mon employeur, si les coulisses de Devolver vous intéressent. Un livre est sorti chez Sœur d'édition au mois d'octobre. Je peux pas aller le chercher parce que je suis attaché par mon ordinateur et mon câble d'écouteur, mais je vous le conseille chaudement. À la 27e place, avec 101 points, et ça c'est pour mon petit héros. Ça, je sais que sa fille s'appellera Céleste. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, ça, comme la femme de Babar. Céleste, pour moi, ça reste la femme de Babar, les amis. C'est une réalité. Bon, Théo, on sait ce que tu penses de ce jeu et de tout ce qu'il représente. Tu sais pas ce que je pense mais, de ce mais jeu. Quel... J'en ai parlé dans mais un podcast. Quel... J'ai dit que c'était bien. C'est bon. J'y ai joué sans les musiques. Qu'est-ce que t'as fait, Céleste? J'y ai joué sans les musiques. C'est le problème. J'avais une version piratée. Ça... Les gars, je vous rappelle que je suis en apnée depuis tout à l'heure, donc évitez de me faire rire trop. Ça va péter. Est-ce que t'as joué, toi, Céleste? Alors moi j'y ai pas joué pour la simple et bonne raison que je n'en peux plus de ces platformers 2D beaucoup trop difficiles pour rien. Je suis absolument d'accord avec toi, j'en peux plus. Voilà, donc du coup malgré le beau message que peut avoir le jeu, parce que c'est à peu près la seule chose bien que j'entends du jeu en dehors de sa bande originale, j'y ai pas joué parce que jouer à un platformer 2D où tu crèves 553 fois, enfin, on a pas mal donné du coup justement pendant cette décennie. Il y a eu VVVVVV, ah ouais. Il y a eu Super Meat Boy. Du coup, je me suis pas mal buté sur cela et j'avais vraiment la flemme de faire Céleste. Donc même quand il a été, je crois, offert avec les Game With Gold, je l'ai pas téléchargé parce que j'ai vraiment la flemme de m'énerver dessus. En 26e position avec 106 points, alors le jeu de la Discord, ah. Et non pas le jeu du Discord, exactement. Le jeu qui a divisé il y a maintenant un an de cela, exactement, Red Dead Redemption 2, qui a été mis dans 7 votes, dans 7 tops, par 7 participants, qui cumulent un nombre de 106 points. Qu'est-ce qu'on peut en dire, les amis? Red Dead, pour moi, ça reste l'opus, le deuxième opus, ça reste une expérience qui a été puissante au final, sur le long cours. C'était un jeu, c'était très difficile de rentrer dedans. Au début, je trouve, le gameplay étant ce qu'il est. Bon, on en a parlé l'an dernier. Moi, c'est vrai que quand j'ai découvert la vue à la première personne, ça allait tout de suite mieux, hein, c'est clair. C'est vraiment un open world simulation, entre ouais, guillemets. Ouais. Et même si j'étais très virulent à l'égard du jeu à l'époque, le fait que j'ai fait Death Stranding entre-temps m'a oui. fait relativiser mon expérience Red Dead Redemption 2. Ouais. Et du coup, j'en ai un meilleur souvenir dans ma tête que ce que j'avais ouais. eu à l'époque à froid, enfin mm-hmm. à chaud, pardon. Et du coup, bon, je suis personnellement, je crois que je l'ai pas mis dans mon top, hein, Red Dead Redemption 2. Mais en tout cas, je suis moins catégorique sur le jeu qu'à l'époque. Et la 26e place est totalement justifiée. Je m'étonne même de pas le voir un petit peu plus haut. Mais ouais. c'est peut-être justement, comme tu l'as dit, Théo, parce que le jeu a quand même vachement divisé, quoi. Moi, je comprends pas pourquoi tu fais le rapprochement avec Death Stranding. Je trouve que Death Stranding est beaucoup plus accessible et beaucoup plus agréable à jouer que Red Dead Redemption. Il est moins lourd, déjà, les déplacements sont quand même beaucoup plus réussis que Red Dead Redemption, qui pour moi signe mais beaucoup moins réaliste aussi. Ouais, bah justement, c'est ce qui fait le plaisir. Pour moi, ça montre que la recette de Rockstar, elle est arrivée à son terme et qu'il faut qu'ils avancent sur autre chose parce que c'est chiant, quoi. Mon ami Guillaume, je te répondrai à tout ceci dans un prochain podcast de Merouillezou. Oh, d'accord. Très bien. T'es une belle façon de me dire de fermer ma gueule, mais...
Non, même pas. Alors, mes amis, en 25e position, ah ben, notre petit chouchou, Sekiro Shadows Die Twice, avec quand même la bagatelle de 8 votants et 107 points. Donc, il a plumé la place à Red Dead Redemption 2 d'un seul point, les amis. Bah, personnellement, en tant que semi-adepte des jeux d'Hidetaka Miyazaki depuis Demon's Souls, parce que j'en ai fait... Enfin, j'en ai zappé un à chaque fois, j'en saute un systématiquement. Sekiro, c'est mon préféré. Donc, du coup, ouais, je comprends qu'il soit si haut. On est plus proche du Beat'em Up, on est plus proche du Tenchu, comme toi, tu préfères, je pense aussi. Il y a un côté plus accessible, et en même temps, le jeu en lui-même est plus difficile. Ouais. Mais de l'autre côté, moi, ça enlève tous les trucs qui me saoulaient un peu dans les Souls. Voilà. Pour garder vraiment juste la partie super cool, donc c'est-à-dire le gameplay, le level design et puis l'univers est super cool en plus, donc vraiment moi j'ai kiffé Sekiro. Dévoilons la case numéro 24. Voilà, on arrive dans la seconde moitié de ce top, ça se réchauffe, n'est-ce pas mes amis? Alors en numéro 24, propre. Oh, 108 points pour Catherine. Bah il était dans mon top, alors je suis super content, tu vois. Ouais. Je l'ai même pas mis dans les boîtes derrière moi puisque je me suis dit que je devais être la seule personne à le mettre dans son top et au final pas du tout. Je suis je suis très content. Un très très bon jeu que je conseille à beaucoup de gens. Ça capture bien la fin vingtaine en fait, ce qu'on peut ressentir quand on arrive à la fin de la vingtaine et qu'est-ce qu'on fait ensuite quoi, est-ce qu'on suit la vie de tout le monde, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants, ou est-ce qu'on a le droit de continuer à faire sa vie d'enfant et d'adolescent quoi. Donc non, je suis super content. Bah, si vous l'avez pas fait, il vient de sortir sur PS4. Les amis, je prends la main et on dévoile la 23e position et il s'agit de Mario Kart 8. Oh, nice. Alors, il y a eu un gros écart, il avait 7 points de plus que Catherine, il a 115 points pour 1 2 3 4 5 6 7 8 votants Mario Kart 8. Il mérite totalement sa place, je pense, à cette 23e position parce que à mon sens, c'est vraiment le Mario Kart le plus abouti. Bien entendu, dans le Mario Kart 8, on a mis les Deluxe et les Mario Kart 8 ensemble. Ouais. Là, on a tout mélangé puisque c'est le même jeu au final. Il y a quelques ajouts dans Deluxe, mais il méritait pas une place à lui tout seul. C'est le Mario Kart qui arrive à satisfaire tout le monde, je pense. Parce que la version Wii, elle saoulait un petit peu les hardcore gamers, entre guillemets, même si on parle de Mario Kart. La version DS, à l'époque, elle était un petit peu trop pointue avec le snaking et tout. Et cette version... Wii U Switch du coup elle reprend bien le flambeau de la version 3DS en proposant quelque chose d'équilibré, de super beau, avec une bande son un peu jazzy qui était vraiment géniale. Moi les Mario Kart ça me fait vite chier mais j'ai passé pas mal de temps mine de rien sur la version Switch et c'est pas un jeu que je mettrais dans mon top parce que c'est pas comme j'ai dit ça me fait chier rapidement mais ouais non je comprends que comme tu dis c'est vraiment le Mario Kart le plus abouti. En 22e position les amis je clique hop on en a pas mal parlé depuis le début de ce top 50. En 22e position nous avons Death Stranding qui a eu 1 2 3 4 5 6 voix. Avec, malgré tout, il faut le dire, quelqu'un qui l'a mis en deuxième position, quelqu'un qui l'a mis en troisième position et quelqu'un qui l'a mis en quatrième position. Et ensuite, que des bons placements. Le train de la hype, je pense qu'on peut le dire. Hein, les gens viennent d'y jouer, ils se disent c'est le jeu du siècle, ils le mettent dans leur top 5. Hein. Vous êtes libres, les amis, c'est ça la démocratie, mais voilà. Le jeu mérite quand même une bonne place et je pense que personnellement si j'avais eu un petit peu plus de recul il serait sûrement rentré dans mon top 25 je pense. C'est un jeu assez réussi, on va pas s'étendre dessus parce qu'on voulait en parler un petit peu plus à l'occasion dans un podcast. On avance avec la 21e position les amis. Doom 2016 qui a eu 121 voix et qui dame le pion à Death Stranding d'un point du coup avec ses 121 points. Je pense qu'il a marqué beaucoup de personnes ce jeu. Tu penses ? C'est pas notre cas mais il a marqué beaucoup de personnes. Ouais. Bah moi je trouve que c'est un chouette jeu, il a bien réussi son retour mais il me semble un petit peu après c'est le but d'un Doom mais je trouve qu'il est un petit peu générique quoi. Bah je pense que pour beaucoup de personnes qui sont plus vraiment genre
focus sur le gameplay FPS, fast FPS, etc. Ouais. Je pense qu'il a apporté des choses qui sont très, enfin, qui ont l'air d'être importantes. Je sais pas, je joue pas à ces jeux-là, moi, mais. Oui, je pense que c'était du coup un petit peu la révolution pour les joueurs de fast FPS, les geeks à l'ancienne, n'est-ce pas? Yes. Hein, qui étaient contents de retrouver un peu un FPS à leur sauce. C'est un jeu qui était sympa sur le moment, que j'ai refait un peu récemment chez mon pote Zygmar s'il l'avait installé, c'est toujours aussi bien, mais là en y ayant rejoué récemment, c'est pas un jeu de la décennie pour moi. C'est un jeu qui est efficace et voilà. Après c'est un jeu qui fait bien ce qu'il doit faire. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui l'ont mis aussi haut. Alors, en 20e position, avec 125 points, Mass Effect 2. Je crois que, en tout cas pour beaucoup, c'est vraiment le meilleur. Je sais qu'en en reparlant avec mon frère, on s'était vraiment dit que c'est celui qui est le plus abouti. Parce qu'il est dans le... Comment ? Il continue dans ce que faisait le premier, sans en rajoutant un meilleur système de combat, etc. Un peu plus de personnalisation. Et il part vers ce truc très Hollywood qu'avait le 3, mais en se respectant. Donc c'est vraiment le plus réussi et le mieux dosé. Il était dans mon top 3. Je crois qu'il était même top 1. Je crois qu'il était top 1. Mais du coup, Guillaume, tu dois être content de le voir à cette position Mass Effect 2, parce qu'il est quand même 20e, ouais, c'est rien. Quoi. Mais je suis content, c'est un grand mot, mais... pour moi, il mérite d'être premier, mais la trilogie pour Mass Effect mérite d'être premier. Ouais. D'ailleurs, on remarquera mine de rien que ça a été un coup de cœur pour pas mal de gens, parce qu'encore une fois, il a été du coup premier. Donc chez Guillaume, il a été deux fois deuxième, donc ça lui a permis rien qu'avec ses trois votes de rafler plus de 70 ouais, ça points. Ça c'est vrai. Ah mais je pense que je sais pas si vous, toi, t'as pas fait de Mass Effect, mais Théo, tu l'as non, fait. Non, malheureusement, j'en ai fait aucun. Je les ferai peut-être un jour avec plaisir, mais j'ai entendu du très bon à propos de cette trilogie et notamment le second opus. Donc ouais, je comprends. C'est le plus réussi. Ouais. Je comprends sans problème. Et c'est le mieux dosé, le mieux équilibré, quoi. Il faut se farcir le premier quand même avant. Mais... Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, c'est ça qui m'a bloqué, tu vois, Guigui. C'est le premier. Il est extrêmement vieux. Le premier, il me fait un peu bizarre avec ses zones ouvertes que je comprenais pas bien. Qu'est-ce qu'il fallait faire, en fait? C'est pas très, tu sais, les planètes, là. J'ai pas compris ce truc-là. C'était un embryon, quoi. Voilà. Il était pas encore. C'est un jeu de début de génération. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Hein. Mais comme on parlait d'Uncharted dans le podcast, c'est ça. C'est encore un peu des brouillons du début de la génération 256 bits. Alors en 19e place, mes amis, on a Sonic Mania. Oh, hey, il est on quand sent même assez haut. La communauté de Merugezu et avec avec 9 votants. On a eu deux top 5 du coup sur Sonic Mania. J'ai pas grand chose à dire. Je crois que moi aussi je l'ai mis dans mon top 5 d'ailleurs, justement. Les gens ont tendance à dire beaucoup de bien des Sonic 2D en mode ouais, c'est une époque qui révolue, c'était super, c'était le grand temps de Sonic, etc. Et au final, on a eu une équipe extérieure à Sega qui a réussi à proposer le meilleur des Sonic 2D en améliorant un petit peu la formule avec des petits ajouts ici et là. Le jeu est beau, le jeu est fluide. La sélection des niveaux est quand même assez réussie, parce que c'est difficile de plaire à tout le monde quand tu dois choisir des niveaux existants. Les niveaux inédits sont aussi super cool. Enfin, je suis peut-être mal placé pour en parler parce que je suis vraiment pas objectif, mais en tout cas ouais, Sonic Mania 19e place, je suis vraiment content de le trouver aussi haut. C'est peut-être un petit peu biaisé parce qu'en effet, il y a peut-être des gens qui sont venus à Merugezu du fait de ma passion pour Sonic. On va pas se mentir, mais en tout cas ouais, c'est à mon sens en tout cas c'est largement mérité, ouais. Non mais c'est clairement mérité. Là encore, un de mes collègues au boulot qui l'a découvert, je t'en parlais sur le Discord, il l'a découvert récemment, il prend son pied, il trouve que c'est fantastique, hein. Il le mettrait aussi dans son top, sans être pourtant abonné à Merugezu. D'ailleurs, abonnez-vous. Non, c'est vraiment un peu à la manière d'un Resident Evil 2 remake dont on parlait tout à l'heure, qui réinvente la roue. Bah là, c'est vraiment le meilleur. C'est ce qu'on souhaite à tous les fans de jeux 16 bits, en fait. Que pareil pour Street of Rage 4, enfin que votre idole du jeu Mega Drive revienne dans cette forme-là, enfin avec cette cette qualité, réutiliser ce qui a été fait à l'époque,
en rajoutant des trucs, c'était énorme. Hein. Moi, j'avais découvert Ken quand j'y avais joué, quand t'étais là aussi en Lettonie. Et moi, j'ai kiffé Sonic dans ma jeunesse et j'avais adoré, quoi. Après cette très bonne nouvelle, on va dévoiler la 18e position. Alors, je clique, attention les amis. Oh! Wow. Il est sorti sur cette décennie. Oui, il est sorti sur cette décennie, oui, c'est 2011, vrai. Mais en fait, 11, 11, 11. Ce, oh, pardon. Ce jeu a eu tellement de déclinaisons différentes que j'ai du mal à me dire qu'il est sorti cette décennie. Mais oui. Alors excusez-moi, j'ai pas donné le décompte de points et le jeu, c'est The Elder Scrolls 5 Skyrim, qui est donc 18e du classement de la décennie et qui a obtenu 132 points, donc 6 ouais. points de plus que Sonic Mania. Et il a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votants encore une fois. Ouais. Ouais. Je pense que Théo est le mieux placé pour parler de Skyrim sur ce coup. Bah écoute, oui, je pense, mais moi du coup, je crois que je suis un des votants qui lui a mis un point simplement. Je l'ai mis symboliquement dans mon top parce toi, que Théo, je pense. Je ah bah nous deux, je crois. Ouais. ouais, tu penses je crois, là, ouais. là, il me bah, il y a deux que... un point dans le classement, voilà, donc c'est possible. Ça peut ouais. être nous deux. Ouais, ça peut être nous deux. Je l'ai mis un peu symboliquement pour marquer le coup. C'est un jeu que j'avais vraiment kiffé à l'époque. Avec le recul, finalement, il m'a moins charmé que Morrowind et il est moins feel good, je trouve, que Oblivion dans ses environnements, moins chatoyant. Alors, je sais qu'il y a eu des mods et tout, etc. Le jeu, sur le long terme, ne m'a pas... Tu vois, moi, tous les gens qui ont rejoué, racheté le jeu, ils l'ont modé pendant des années, ça, je comprends pas. Le jeu, je l'ai fait... Quand il est sorti, j'y ai joué quelques mois vraiment, vraiment intensément, on va pas se mentir. Et après, j'avais l'impression d'avoir eu ce qu'il avait à me donner, tu vois. Étrangement, ouais. j'ai plus de facilité à revenir sur Morrowind ou sur Oblivion. Mais peut-être que je suis bête, mes amis. Peut-être que je suis... un petit peu teubé. Et toi, Guillaume, du coup ? Non, mais exactement pareil que Théo. J'ai passé énormément de temps sur 360. Ouais. À l'époque, c'était Noël. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais le Noël où il est sorti. 2011. J'ai passé énormément de temps dessus. Et pareil, au bout d'un moment, il m'est tombé des mains après plusieurs dizaines d'heures de jeu. Et je pense pas que j'y reviendrai. Si on me le donnait sur Switch, ou si je piratais ma Switch, je pense que je pourrais lancer une partie, mais je sais pas. Je pense qu'il faudrait avoir un truc un peu modé pour enlever un peu cette grisaille, parce qu'il avait voulu coller au style de cette décennie, enfin de cette période dans le jeu vidéo où c'était gris réaliste. Et au final, c'est chiant. Tout simplement, hein, donc voilà. Ex-Echo 17ème. Nous avons... Hollow Knight avec 138 points et The Witness. Avec 138 points aussi. Je suis très surpris de voir The Witness si haut quand même. Bah tu sais, on parlait de Obradine. Et je parlais ouais. d'enquête et d'énigmes qui me tombent tout le temps des mains. Et bah, ouais. il m'est tombé des mains. Je trouve la DA fantastique. Je le trouve magnifique ouais. comme jeu. Et je trouve qu'il y a plein d'idées. Et si j'étais plus malin et moins fainéant, je pense que j'y passerais énormément de temps. Il y avait un concept qui était assez intéressant, si je me souviens bien. Mais j'ai pas la patience pour ce genre de jeu. Et moi, c'est l'avis de Théo sur Hollow Knight que j'attends vraiment, parce que je sais que malgré ouais. tes griefs contre les Metroidvania indé, je crois que t'as adoré adoré le mot est fort, mais t'as apprécié le jeu. Et j'ai vraiment bien aimé Hollow Knight. C'est vraiment un très bon jeu. D'ailleurs, finalement, c'est un jeu qui n'est pas en pixel. D'ailleurs, on oui, l'oublie, on pense que voilà, c'est pas du pixel. C'est un peu la mascotte, le petit bonhomme. C'est vrai qu'à la base, ça m'attirait pas trop, le petit bonhomme ouais, mignon ouais. et tout. Mais en fait, le jeu a beaucoup plus à dire. Et évidemment, comme tout Metroidvania / Dark Souls-like, c'est à travers ces environnements qui dit le plus, qui l'immerge le joueur. Et voilà, hein, donc de toute façon, ça s'inscrit tout à fait dans la continuité d'un Dark Souls 1. Je précise 1 parce qu'il n'y a pas de téléportation ni rien. Enfin voilà, bon, j'en dis pas plus, mais tu vas descendre et en fait Super Metroid aussi, ça s'inscrit aussi voilà dans la lignée d'un Super Metroid également, parce que des fois tu te mets à descendre, mais où c'est que je vais, cette impression de creuser et de découvrir des nouveaux endroits et tout qui sont communes, qui sont cette impression qui est commune à tous ces jeux, n'est-ce pas? Donc vraiment un place méritée bon jeu, selon toi? Ouais, non, place vérité, après, je sais évidemment qu'il a plu à énormément de gens et il y a des fans absolus du jeu. Moi, j'aurais pas mis peut-être 17ème par exemple, mais mérité, ouais, je pense mérité. Et The Witness, comme Guigui, j'ai commencé, je suis pas allé bien loin, mais j'ai kiffé les énigmes, les trucs.
Et puis, je suis passé à autre chose, hein. Je suis allé défourailler, vous me connaissez, les amis. En 16e position, les amis. Ça, là, on se réchauffe. On est bien d'accord qu'on se réchauffe. On arrive bientôt au top 15, déjà. Alors, on va regarder ça tous ensemble et tout de suite. 16e position. Oh, ah, magnifique. Avec 140 points, Yakuza 0. Alors là, 16e position, largement méritée. On aurait pu le mettre même plus haut, je pense. Vous l'avez mis dans vos tables, vous? Oui. Alors moi, j'ai eu un petit souci, c'est que j'hésitais entre le 0 et le 6, et jusqu'au bout, parce que j'ai aimé les deux, en fait, également, tu vois. Donc, oui. Mais toi, tu l'avais mis aussi bien placé, Ken. Alors moi, pour ma part, il était dans le top 3, je crois. C'est un jeu virus, un peu. C'est un peu comme Sonic Mania. Hein. Ça, je pense que c'est... Tu penses la plupart des points qu'il a eu, c'est grâce à toi, hein, je pense. Hein. Je sais pas, parce que tu sais, Yakuza 0 a un peu cette mémora que Nier Automata, tu vois. C'est un jeu qu'on aime aimer, entre guillemets. Et c'est un jeu qui a permis de rentrer dans la licence pour pas mal de gens, donc moi y compris. En tout cas, c'est comme ça que j'ai connu. Ouais, voilà, et c'est le cas de beaucoup de gens. Moi, j'ai fait que 3 Yakuza à l'heure actuelle, et c'est mon préféré des 3. Il est vraiment bien foutu. Tu sens que c'est une formule qui a eu le temps de mûrir, et le fait que le jeu commence du coup au tout début d'une timeline, ça a permis à beaucoup de gens de choper le truc en route. Le remaster PS4 en plus, c'est, enfin, je crois que c'est la sortie, oui, la sortie était inédite en Europe sur PS4, mais il était sorti sur PS3 à la base au Japon, et le fait qu'il ressorte sur PS4 dans une version avec un framerate correct, puisque le jeu tourne à 60 FPS, avec en plus ces deux persos, le perso de Majima qui est, à chaque fois qu'il y a des votes, c'est le perso le préféré de tout le monde, devant Kiryu. Donc là, t'as un perso où tu joues un Majima avant qu'il devienne le chien fou qu'on connaît. Donc du coup, le jeu a vraiment tous les éléments pour plaire, avec un gameplay qui est parfait, le moteur qui est nickel et que je préfère largement, je le dis jamais assez, au doux nouveau moteur des jeux de RGG Studio. Donc du coup, je suis encore une fois, je l'ai mis dans mon top 3, donc le fait de le voir en 16e position, ça me fait très plaisir et je trouve qu'il mérite en tout cas personnellement. Ouais. Et je rajouterais que c'est aussi un long-seller et aussi un jeu qui s'est vendu aussi beaucoup au bouche à oreille. C'est un long-seller au bouche à oreille, en fait. C'est vraiment... Donc, en fait, sa place est tout à fait justifiée, je trouve. C'est pas le jeu qui a eu sa hype à la manière d'un God of War, par exemple, n'est-ce pas? je taquine, évidemment. À la sortie, il était un peu... ça a été très progressif, en fait. C'est qu'à la sortie du jeu, c'était une sortie parmi tant d'autres, quoi. C'était même un spin-off de la série principale, en réalité, dans la tête des gens, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est un énième spin-off, comme ils avaient fait Yakuza of the End. Je pense que quand même, celui-ci a plus sa place dans la trame principale des Yakuza 0, c'est pas vraiment comme Kenzan. Non, mais justement, je pense qu'il parlait au premier abord. Dans la tête des gens, c'était un autre spin-off, un peu, tu vois. Et en fait, dis-moi Ken, mais ça, de plus en plus, les gens en ont parlé. Je crois que tout le monde autour de nous y a joué, en fait, à ce jeu au final. Et c'est pas le cas de tous les jeux. Tu vois, c'est loin d'être le cas, ne serait-ce que Kiwami qui est sorti après, quoi. C'est que Zero, ça a été vraiment le jeu sur lequel tout le monde s'est retrouvé, et il a réussi à devenir un jeu PlayStation Hits, donc maintenant il est vendu 20 balles, donc il est encore plus accessible qu'avant, il va débarquer sur le Game Pass de la Xbox avec le 1 et le 2 dans pas longtemps, donc c'est carton plein, quoi. Ouais. Il est sorti sur PC aussi, entre-temps, sur Steam, rappelle-toi. Il est sorti sur PC aussi, ouais, tout à fait. C'est peut-être un des rares jeux pour le moment dans ce top qu'on a vraiment joué tous les trois ici présents. C'est vrai. Tu vois, rien que ça. Donc ça prouve bien qu'il mérite sa place, ouais, c'est vrai. Ah oui, il a sa place largement méritée, hein. Là, je suis content de le voir, ouais. Surtout, je crois que c'est l'un des premiers qui est tous les trois dans notre top. Ouais, il y a peut-être moyen. Donc, ce serait à vérifier, mais ouais. Ah ouais. C'est peut-être un des premiers qui est tous les trois dans notre top, c'est vrai. Les amis, on rentre dans les 15 derniers jeux. On ouvre la 15e position et c'est Xenoblade Chronicles. Je me doutais qu'on n'allait pas trouver un seul Xenoblade dans ce top. Donc là, c'est du coup le premier épisode qui était sorti sur Wii, ensuite sorti sur 3DS et qui est ressorti sur Switch. Sur New 3DS. Sur New 3DS. C'est bien de le préciser, Guillaume, parce qu'en effet, il marchait pas sur la 3DS standard. C'était pas le seul jeu. Il y en a eu deux. Le deuxième, c'était Fire Emblem Warriors.
qui était aussi uniquement New 3DS. Ah d'accord, oui. Ouais, d'accord. Et pas Hyrule Warrior. Non, Hyrule Warrior, le truc, c'est qu'il était compatible sur les deux, mais sur la version 3DS standard, c'était une grosse merde. Je pense que c'est pour ça que Fire Emblem Warriors, ils se sont dit, bon, on va arrêter de couiller les gens. J'étais hypé avant sa sortie, je l'ai acheté quand il est sorti, et au final, j'ai quand même bien kiffé au début. Parce que j'aimais bien Xenogears et tout. Et du coup, le jeu, bah, était bien sympa avec, justement, un aspect, Ken, pas tant, JRPG de base dans les contrôles. Parce que je me souviens que t'avais la possibilité de sauter, par exemple, et vraiment de parcourir des mondes. C'était un des mondes ouverts les plus beaux de la Wii. Oui, c'est vrai. Je pense mieux que Twilight Princess en termes techniques. Il est sorti un peu vers la fin de la Wii, Xenoblade, il me semble, 2012, quelque chose comme ça. Et ou 2011, je sais plus, mais en tout cas, je me souviens que tu pouvais, par exemple, sauter de la cascade et tout ça était en temps réel. Donc, pour de la Wii, c'était assez impressionnant. Après, faut avouer que c'était aussi la fin. La Wii était à bout de souffle, honnêtement. Ouais. Elle s'essoufflait techniquement. Donc, on était tous passés sur Next Gen ou autre. Et il a pas fait long feu non plus entre mes mains, ce jeu. Xenoblade Chronicles, j'ai commencé, mais c'était vraiment pas, c'est vraiment pas ma cam. Les actions RPG, j'arrive pas. Vraiment. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu FF12, un peu MMO, c'est ouais, ça? Ouais, voilà, exactement, mais en moins maîtrisé, je trouvais. D'accord, maintenant, oui, je m'en rappelle pourquoi moi ça m'avait attiré, mais justement. C'était impressionnant. Moi ça m'avait attiré pour cette raison, mais oui, esthétiquement aussi, c'était impressionnant. C'est impressionnant, la distance d'affichage qu'il y avait les monstres, il y avait des gros monstres et tout, c'est ça. On parle de points depuis tout à l'heure et de répartition. Il faut quand même signaler que Xenoblade Chronicles a eu au moins une première place et une deuxième place dans le classement, donc 49 points acquis comme ça. Et après, il y a eu quand même pas mal de votes, puisqu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 votes, je crois, si je lis bien. Et donc, on est à 141 points en tout. Donc, un point de plus que Yakuza 0. Exactement, ouais, tout à fait. On passe à Guillaume. Yes, pour la 14e place avec 147 points, Bayonetta 2. Ken, je t'envoie le truc parce que j'avoue que j'ai pas... Alors, Bayonetta 2, c'est un jeu qui... C'est intéressant, tu vois, qu'il soit 14e dans un top de la décennie. Je crois que je l'ai mis aussi. Je semble qu'il est au moins dans mon top 15, pour le coup. C'est un jeu où, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec à sa sortie. J'ai été très, très sévère envers lui parce que il reprenait vraiment la formule Bayonetta 1. C'était un peu exagéré. C'est que on se demande toujours ce qu'on attend d'une suite... Et là, le jeu, il reprenait des environnements entiers du premier épisode, il reprenait ses menus, il reprenait tellement de trucs qu'au final, quand tu jouais aux deux après avoir attendu 4 ans à l'époque pour avoir cet épisode, tu te disais « Merde, Bayonetta 1, il m'avait foutu une claque parce que le jeu proposait quelque chose de différent, de frais ». Et là, le deuxième épisode, il reprenait exactement la même chose et il le faisait en mieux au final. Et c'est pour ça que sur un top de la décennie, c'est intéressant parce que du coup, je pense que l'avis du jeu, l'appréciation du jeu a pu mûrir au fil du temps. Elle a pu mûrir aussi avec la sortie du jeu sur Switch où les gens ont pu le découvrir d'une autre façon. Et même si j'ai toujours été justement assez sévère avec ce jeu, moi quand je l'ai refait, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, je l'ai refait cette année, je crois, je sais plus. Je l'ai refait sur Switch et je me suis dit en fait, c'est vrai qu'il était cool, Bayonetta 2. Et c'est pour ça que je lui ai accordé une si haute place et je comprends qu'il soit si haut parce que les Bayonetta placent mine de rien la barre assez haut, quoi. En 13e position, mes amis, je clique. Oh, avec 156 points, Dark Souls 3. Alors, waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votants, mais qui l'ont tous mis plutôt dans des bonnes positions dans leur top respectif. Il y a eu une deuxième position, entre autres. Ouais, notamment. Dark Souls 3, qu'est-ce qu'on peut en dire, hein? Moi, je trouve que c'est un bon opus, un bon Souls-like, si on peut dire. Mais c'est une bonne copie. Moi, il m'a pas foutu une gifle, honnêtement, celui-là. Contrairement à bon. Je pense je pense que ce que tu veux dire, Théo, c'est que ça calque un peu le modèle Bayonetta 2. C'est que tu prends Dark Souls 1 et tu singes un peu la formule en améliorant certains points, parce que le 3 il est quand même un petit peu moins lourd. Il propose plus d'options en termes de multijoueur, etc. Il est beau aussi. T'obtiens Dark Souls 3. Je serais pas étonné de voir Dark Souls beaucoup plus haut dans le top, du coup. C'est un très bon jeu, hein, Dark Souls 3. Moi, j'ai passé un très bon moment dessus. Ça fait partie, justement, des Souls que j'ai fait.
Je sais pas si je l'ai mis dans mon top, je pense pas. Genre, je préfère Dark Souls 1, encore une fois, parce que ouais, comme Bayonetta, moi j'ai commencé la série par là, et du coup, bah, je suis tombé un peu dénu en découvrant le jeu. Je pensais pas apprécier du tout, et au final, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Et quand j'ai fait Dark Souls 3, j'étais en terrain connu. Donc, du coup, forcément, le souvenir que j'ai sur le jeu, il est moins positif. C'est qu'il était trop cool, mais la claque, je me l'étais déjà prise, en fait. Donc, le truc était un peu passé, quoi. Les amis, on ouvre la 12e position. Et donc là, je crois qu'on a un ex-aequo, parce que je vois deux barres. Eh ben oui, on a un ex-aequo. Et en plus, c'est un ex-aequo assez intéressant, parce que c'est deux jeux très différents. Alors, d'un côté, on a The Last of Us, qui a acquis 158 points. Et de l'autre côté, on a Portal 2, qui lui aussi a acquis 158 points. The Last of Us, un jeu dont on a pas mal parlé chez Merogezu, qui, malgré tout, je trouve qu'il a pas super bien vieilli, mais il mérite sa place. Parce que top de la décennie, parce que, voilà, il mérite sa deuxième place, je pense. Je le voyais plus haut. Voilà, pareil. Je pensais vraiment qu'il serait plus haut que ça. Ça prouve encore ce que tu disais, Ken, tout à l'heure, c'est que notre public est peut-être un petit peu kikoujap, n'est-ce pas? Mais clairement, si on n'était pas kikoujap, je pense qu'il serait plus haut. T'as raison. Ouais, non, mais ouais, ça... Non, je suis d'accord. Je pense que dans les autres top décennies, il sera des gens plus comment dire, occidentalisés dans le goût. Il sera plus haut comme God of War. C'est possible aussi, ouais, en effet. Ouais, je suis d'accord. Vous l'aviez mis, vous, dans votre top? Les deux étaient dans ton top, Théo, toi aussi? Je crois pas, non. Last of Us, je pense pas, et Portal 2, j'y ai pensé. Je voulais les mettre les deux, mais au final, ils sont pas rentrés dans mon top de hipster, n'est-ce pas? Mais non, franchement, j'en dis juste sur Last of Us, c'est Naughty Dog qui a montré un truc, qui a fait une démonstration de force et qui a dit voici ce à quoi les jeux dans le futur devront ressembler. Non, c'est très juste ce que tu dis. Moi, je voulais dire Last of Us, enfin tout le monde sait à peu près ce que je pense de Last of Us, mais Portal 2, je l'ai mis parce que je trouve que c'est un jeu qui est inoubliable en termes sur son solo et sur sa coop aussi. Et en fait, c'est ça qui est assez extraordinaire dans le jeu, c'est que il y a deux modes bien distincts et les deux sont hyper bien faits, hyper réussis. Ouais, c'est ça. Pour moi, il mérite largement sa place dans le top de la décennie. J'en place une quand même, c'est un jeu Valve, c'est je crois le seul jeu solo de Valve dans toute la décennie. C'est quand même un truc de ouf. Alors que bon, si on me pose la question, que ça soit Half-Life 1, Half-Life 2 ou Portal 1, ils sont super hauts pour moi dans le top. Des jeux vidéo. On peut reprendre le truc, mais Portal 2, c'est Portal 1, mais en plus complet et mieux réussi, etc. Alors, 11e position, avec 163 Red Dead Redemption, premier du nom. C'est vrai qu'il a plus marqué que le 2, visiblement. Il a moins divisé, peut-être. C'est possible aussi, en effet. Déjà, c'est un jeu qui est sorti au tout début de la décennie. Tout début. Il est sorti en avril 2010, si je dis pas de bêtises. Donc c'était c'était au tout début de la décennie. Moi personnellement, je l'ai mis dans mon top, je crois qu'il était dans mon top 10. Ouais, il était dans mon top 10. Donc là il a 164 points. Encore une fois, il a pas mal de votes assez forts. Hein. On a quelquu'un qui l'a mis 6e, quelqu'un qui l'a mis 4e, ouais, j'ai considéré que ce qu'il avait apporté au tout début de la décennie c'était fantastique. À l'époque, en tout cas, je m'étais pris une gifle pas possible en termes de gameplay, de graphisme, de storytelling, de musique, de tout. C'était un jeu de ouf. Je l'ai mis 4e, et il marque le début d'une décennie aussi. Je pense que si je l'avais fait à l'époque, il serait forcément dans le top. Là, je l'ai fait bien, enfin genre avant le 2, juste avant le 2, donc il était vraiment bien, mais bon bah forcément ça m'a moins marqué parce que il est un peu vieilli, quoi, mais... Oui, c'est vrai que il accuse un petit peu le poids des années, mais moi, je l'ai refait, du coup, comme toi, Guillaume, à peu près à la même période, mais je l'avais fait à l'époque, et ce qui m'avait sidéré à l'époque, c'est que, on le répète pas mal depuis le début, je suis un gros kikoujap, comme les gens qui nous suivent, et c'est pas un jeu pour moi, Red Dead, à la base, et je me l'étais pris, parce que je crois un pote me tannait pour le prendre, en mode, vas-y, viens, on va jouer en multi et tout, et je l'avais chopé à 30 balles,
et en me disant bon bah vas-y je vais jouer en multi mais le solo je m'en balec. Et au final le solo il m'a explosé le crâne. C'est un de mes jeux préférés sur 360. J'ai passé un excellent moment dessus. Quand j'y ai rejoué j'étais encore en mode mais putain mais c'est ouf que le jeu soit encore aussi beau, aussi cool, avec une bande son qui est géniale, un dénouement qui te laisse totalement sur le cul, qui était assez audacieux hein, pour l'époque parce que enfin on va pas spoiler le jeu mais enfin fallait le faire quoi, ce qui a été fait. Et donc ouais non ouais il mérite pour moi en tout cas ouais cette 11e place et j'ai fait en sorte dans mon classement qu'il ait pas mal de points pour y accéder. De loin le meilleur Rockstar de la décennie. Ouais, de tous les j'ai pas envie de dire des conneries mais c'est bon de tous les temps aussi, enfin Red Dead Redemption quand il est sorti, waouh. Et je me souviens parce qu'il y avait eu Uncharted 2 juste quelques mois avant, donc fin 2009, ensuite Red Dead. Et je dis ça dans le sens où, à cette époque-là, oui, en effet, on pensait beaucoup à l'Occident et on se disait wow, « Waouh, ça, c'est un truc de malade, ce qui se passe en Occident. Ouais, » ouais. Ouais, c'est vrai que c'était à l'époque où le jeu japonais était pas à son meilleur, quoi. Bah, il y avait encore des choses, mais on y pensait un peu moins parce qu'il y avait de telles gifles qui venaient de l'Occident que bah forcément. Hein. Le top 10 maintenant, mes amis. Alors, en 10e position... Ah, oh. Les amis... Oh, bah Ken, je te laisse, fais-toi plaisir. Oh, attends, non, attends. Avec 169 points, Bayonetta avec 3 top 1. C'est exceptionnel. So et dont far. Moi, du coup. C'est encore un jeu de... Non, mais c'est encore un jeu du tout début de la décennie, puisqu'il est sorti, lui. Alors là, c'est radical, il est sorti en janvier 2010. Si on prenait la date de sortie japonaise, il passait pas. Et bah, j'ai pas mal dit ce que je pensais de Bayonetta tout à l'heure, du coup, parce que bah, on remarque que bah, il y a les deux Bayonetta sont dans le top 15. Bayonetta, à l'époque, je me suis pris une giga tarte dans la gueule, c'est un de mes jeux préférés ever. Le jeu pue la classe. J'ai eu la chance en plus de jouer à la version 360, parce qu'on rappelle que la version PS3 puait du cul, a été complètement flinguée. Elle tournait à 30 fps, les couleurs étaient délavées. Enfin, c'est une calamité. C'est pour ça que je n'y ai pas joué d'ailleurs, car je l'ai pas acheté. J'ai vu que c'était pourri et je me suis dit tant pis, je voulais l'acheter. Hein. Et au final, je suis passé à côté. Ouais, c'est vrai que du coup, les joueurs PS3, ils ont pas eu cette chance de pouvoir bénéficier d'un Bayonetta réussi. Il est sorti ensuite sur Switch et sur Wii U. Du coup, bah, à chaque fois qu'il est sorti, je l'ai chopé le jeu. Il est vraiment extraordinaire. Il te met des tartes non-stop. En fait, c'est une montée en puissance permanente. Et tout ça avec un personnage féminin qui est fort. On a beaucoup reproché au jeu d'être trop sexualisé à l'époque. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il le faisait avec grande intelligence. C'est que c'est pas du cul pour du cul. C'est que Bayonetta c'est pas un personnage de Dead or Alive entre guillemets, c'est que c'est avant tout une femme forte et certes elle se dessape quand elle fait des attaques mais je trouve que ça reste classe en fait, c'est super bien foutu. Et non ouais, pour moi Bayonetta, je suis même un petit peu deg de le voir uniquement dixième parce que pour moi il méritait bien plus, mais bon on va pas forcer, c'est déjà bien qu'il ait atteint la dixième place. Et bah je peux que vous conseiller de jouer à Bayonetta si c'est pas fait. Après forcément ça s'adresse à une frange encore une fois bien particulière, c'est un jeu qui est très axé Japon. Si t'aimes pas les jeux japonais, je pense que Bayonetta ça passe pas. Et il faut forcément avoir un certain affect avec les beat'em up, parce que sinon, pareil, c'est un jeu qui est assez technique. Après, il proposait quand même à l'époque un truc qui était assez cool et qui était inédit. Ah oui. C'est que tu pouvais jouer en mode automatique et t'appuyer sur tous les boutons. Et en gros, bah, Bayonetta, elle faisait les attaques qu'il fallait au bon moment. Et ça, c'était trop cool parce que du coup, ça permet à des gens qui jouent pas au beat'em up de s'y essayer. Ou même d'accessibilité, hein. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Allez, ouvrons la 9e place. Donc là, c'est les choses sérieuses, hein, vraiment. Depuis qu'on est arrivé dans ce top 10. Donc là, j'ouvre, je vois deux lignes, mais je pense que c'est à cause du nombre de points. Ouais, et c'est Super Smash Bros Ultimate. Oh, okay. Du coup, qui a eu 199 points. Bon, on le disait tout à l'heure, hein, c'était, vous êtes pas très friand de Super Smash Bros, je suppose. Si, si, bah, moi, je te l'ai déjà dit, j'adore le premier. Melee, j'avais bien aimé. Le Brawl m'avait un peu fait lâcher la série parce que, le game feel, j'y jouais à la Wiimote, c'était bizarre, quoi, tout simplement. Ouais, et là, j'ai rejoué avec vous, les amis, sur Switch, c'était bien. Théo, Guillaume, toi, c'est pas ton truc du tout. Non, mais je trouve que je trouve, en fait, c'est un concept que je trouve extraordinaire, et je trouve ça trop cool, honnêtement. Et si ça avait été n'importe quel type d'autre jeu, j'aurais adoré. Mais je trouve ce jeu complètement flingué, quoi. Enfin, gameplay, je comprends pas, en fait. Je comprends pas, j'arrive pas à jouer,
J'ai pas la patience, déjà, enfin, j'ai pas la patience pour des jeux de combat, mais alors des jeux de combat où t'as pas vraiment de barre de vie, qu'il faut juste envoyer les gens dans le décor. Enfin, je sais pas, ça, c'est trop bordélique pour moi, ce jeu, en fait, je pense. Bah, c'est toute la force du concept, quand même. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas pour moi. Je dis pas que c'est de la merde. Ouais, non. Je dis juste que c'est pas pour moi. Je comprends Guillaume dans le fait que, c'est un jeu qui est assez, qui pourtant fait l'unanimité, parce que il faut quand même dire que Smash Bros Ultimate, à l'heure où on parle, c'est le jeu de combat le plus vendu de tous les temps. Il a dépassé Street Fighter 2. Donc je crois que c'est là, on est à largement plus de 15 millions d'exemplaires. Et en même temps, ce qui est assez fou, c'est que moi je trouve que c'est extrêmement clivant comme jeu, parce que, enfin, les déplacements, c'est pas évident. C'est un mélange de jeux de plateforme et de jeux de combat. Et moi j'ai du mal à conseiller Super Smash Bros au commun des mortels, entre guillemets, parce que, enfin, ça demande vraiment un certain temps avant, comme le dit Guillaume, de piger le mécanisme de pourcentage, etc. Et puis les déplacements, c'est quand même assez tendu, ça va assez vite, les personnages sont pas très grands, donc des fois t'as du mal à comprendre ce qui se passe dans tout ce merdier. Mais pour ce qui est d'Ultimate, en tout cas, on parlait tout à l'heure de l'épisode de 3DS et Wii U, l'épisode 3DS et Wii U était pas loin d'être l'épisode parfait. Pour d'un point de vue purement gameplay, je parle, parce qu'on parle de jeu de combat, donc on parle forcément de gameplay. Et Ultimate, il a réussi à rallier tout le monde, en fait. Il a réussi à rallier les joueurs de Brawl, de Melee, enfin de 3DS et Wii U aussi. Tout le monde se retrouve là-dedans. Le jeu, il marche en compétitif, donc c'est bien la preuve qu'il a un gameplay qui plaît. Et du coup, autant la position de Super Smash Bros 3DS et Wii U m'a choqué tout à l'heure, autant celle-ci, elle est plus logique. Parce que s'il y avait un Smash Bros qui devait se retrouver là, bah, c'était bien lui, quoi. Guigui, en huitième position. Super Mario Odyssey avec 207 points. Bah là, c'est un jeu auquel on a tous joué. Oui. Ouais. Et on a peut-être même tous mis dans le top. Ouais. Bon, en tout cas, moi, il est dans le top. Bah, ouais, bah, il est dans le mien aussi. Donc, ouais, c'est encore une fois un jeu qu'on a mis tous les trois dans notre top, ouais. Et il a 207 points. Hein. Le jeu, il prend presque 30 points sur Super Smash Bros. Ultimate. Donc, je crois que c'est le plus gros écart qu'on ait depuis tout à l'heure. Et Super Mario Odyssey, bah, en même temps, c'est un jeu... beaucoup de gens, entre la sortie de la Switch avec Zelda et la sortie de Mario Odyssey, beaucoup de gens se sont procuré une Wii, une Switch, que ça soit en Day One ou plus tard. Et quand Mario Odyssey est sorti, je crois qu'on était déjà tous équipés à ce moment-là. Ouais, c'est ça. En tout cas ici, et en tout cas même dans mon entourage. Hein, et là, ce jeu de ouf qui nous met, qui nous fait kiffer de ouf. Vas-y les gars, dites-moi en plus. Non, moi, j'ai juste aimé ce jeu. Tellement agréable à jouer, c'est tellement feel good, c'est... Voilà. C'est plein de fois, j'ai envie de le refaire, je me dis, il faudrait que je le refasse quand même, parce que yes. Il est hyper agréable à jouer, tu t'énerves jamais, tout est simple, tout est c'est ça. Tout est mignon, tout est gentil. T'as pas la frustration parce que du coup bah t'as plein de lunes super facilement. Bon, ça a été critiqué, mais au final c'est vrai que c'est agréable. Y a pas le système de vie qui fait que tu pètes un câble parce que tu perds que des pièces et au final c'est pas bien grave. Puis comme vous l'avez dit, ouais, c'est un jeu qui est extrêmement feel good. Dans la diégèse de Merugezu, je voudrais juste qu'on reparle vite fait de ce spoil. Ça a été vraiment un moment délicieux. Ah, c'était trop beau. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On devait faire un podcast ce coup-là, Théo, je crois, non? Je vais te le dire, mon cher Ken, je pense qu'on était sur le point d'enregistrer le podcast 11, et là, je me fais spoiler le jeu par le frère de Pazou que j'entendais à travers le micro de Pazou, mais violent, quoi, et j'ai rage quit le podcast, et je n'étais pas dans le podcast parce qu'il m'avait spoilé, j'avais le seum. Je suis un grand fan des Mario 3D. Et c'était vraiment un spoil pour les fans, et donc du coup, c'est trop mal passé. C'est vraiment quoi. Le truc qu'il fallait pas spoiler, quoi. Pourtant, spoiler un Super Mario, faut le faire, quoi. Voilà, c'est ça. Vrai. C'est que comme je suis un grand fan des Mario 3D, c'est un jeu que j'attendais depuis 10, 20 ans, ce jeu, je ne sais même pas, en fait, tu vois, je l'attendais, ce Mario Odyssey qui, avec ses ambitions-là, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Galaxy, c'était un peu différent, moins ouvert, et moi, c'est finalement, le Mario Odyssey, c'est Mario 64 qui est, puissance 10 000 c'était un sujet sensible pour moi d'être spoilé, mais je voulais quand même dire un truc, c'est qu'on a dit que le jeu est feel good, oui, c'est vrai.
Il y a aussi, c'est aussi le Mario qui essaye de réunir son lore et de prendre une autre ampleur, en fait, je trouve. Oui. Par la façon dont ils font des références à l'histoire de Mario, on n'est plus vraiment que dans le monde champignon, on est dans un mélange permanent entre l'histoire réelle de Nintendo, l'histoire finalement l'histoire de Mario, mais c'est tout ça est mélangé, Mario rencontre des vrais gens, il y a énormément de choses à dire sur ce jeu en termes de symbolique, ou même le château de Bowser qui subitement est un niveau, est-ce que je spoil, bouchez-vous les oreilles maintenant, est un niveau japonisant, n'est-ce pas? Oui. Et en fait, c'est ça, c'est ils assument oui, nous sommes japonais, nous l'assumons. Les chansons qui sont chantées à la fin qui font rentrer Mario dans le music hall à la limite. Enfin, c'est il y a plein de choses à dire sur ce jeu. Je trouve qu'il a une ampleur qui est autre justement. Les gens qui préfèrent encore Galaxy ou Galaxy 2 ont peut-être pas vu cette dimension autre qu'il a pris un peu plus plus grande. C'est deux écoles différentes du Mario après, mais moi j'aime les deux, hein, mais oui. Ouais. Ce que je crois qu'on en a parlé dans le dernier podcast, ce que je retiens de Mario Odyssey, c'est que j'étais comme un gosse en y jouant. Ouais, et c'est de plus en plus difficile et c'est de plus en plus rare. On en parlait dans ce podcast encore une fois. J'étais mieux avant. Et là, quand j'ai fait Odyssey de A à Z, j'étais comme un gamin. J'étais devant ma console portable dans mon salon et j'avais l'impression d'avoir 8 ans, tu vois. C'était ouf ici, mais et rien que pour ça, il mérite largement sa place. Et ouais, pareil, j'ai dû le mettre dans mon top 10 aussi. Pareil. Et je suis très content de le voir 8e parce que là, vraiment, il mérite parce que c'est un jeu qui a beaucoup d'ambition, mais qui est en même temps très modeste. Je sais pas comment l'expliquer. Il part pas dans tous les sens. Enfin, il fait ce qu'il a à faire. Il le fait extrêmement bien. Il le fait proprement. Et c'était vraiment, c'est un de mes jeux préférés de Nintendo. Ouais. En 7e position, mes amis. Aïe, 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 aïe. Oh, avec 241 points. Nier Automata. Tout simplement. Alors là, Nier Automata, il est trois fois top 2, deux fois top 3, top 4, etc. Donc il a eu énormément de bonnes places. Personnellement, c'est un jeu que j'ai galéré à positionner dans mon top avec le recul parce que voilà, il y avait un embouteillage à l'entrée du top, on va dire. J'ai dû quand même bien le positionner celui-là, ouais. Moi, Nier Automata, c'est pas un jeu que j'ai fait, c'est un jeu que j'ai. Parmi les jeux que j'ai que j'ai pas encore fait, il y en a beaucoup trop malheureusement. Mais ouais, j'en ai entendu beaucoup de bien. Ce concept de fin qui font refaire le jeu encore et encore. Encore une fois, la bande originale. Encore une fois, Platinum Games, qui est quand même mine de rien assez bien représenté dans ce top. Donc c'est un jeu que j'espère avoir le temps de faire. Nier Automata, c'est pas le, ouais, ça peut diviser les fans de Platinum parce que justement en termes de beat'em up pur, c'est peut-être moins précis et moins, ça va peut-être moins loin que les Bayonetta ou autres. Mais ouais. Par contre, c'est un jeu monde, c'est un jeu expérience qui déborde en fait, ou avec un univers, avec tout en fait, les musiques, les trucs, beaucoup de détails. C'est un jeu qui a fait penser à beaucoup de personnes. Pourquoi on pourrait certaines personnes pourraient considérer que Toro Yoko, c'est ça son nom, Taro Yoko, ouais. C'est ça, ouais, ouais. Et le nouveau Hideo Kojima, alors ça sonne très pompeux, mais en fait je pense que pourquoi on peut le prendre de cette façon-là, c'est parce que le jeu en fait regorge de trucs, de petits détails, de machins. On peut faire ça, il y a des features, c'est un jeu super généreux comme l'était les Metal Gear Solid en fait, où il y a plein de petites choses, il y a de quoi en parler dans la cour de récré en fait, hein, on peut faire ci, on peut faire ça. Non, c'est un jeu. Bah encore une fois, c'est le bouche à oreille qui a fait que le jeu est ce qu'il est, je pense. Hein. Ouais, le bouche. On en parlait tout à l'heure avec Yakuza ouais, Zero. C'est un jeu aussi. Non, il a aussi eu des très bonnes reviews quand il est sorti, mais c'est vrai que oui, absolument, oui. Le bouche à oreille a beaucoup joué. Et moi, quand je l'ai fait justement, c'était début 2017. On avait eu Breath of the Wild, on avait eu. Rappelle-moi ce qu'on avait eu. On avait eu Nier Automata et on avait eu. Bah Yakuza 0. Voilà, Yakuza 0, moi j'avais adoré Prey, et en fait on enchaînait les chefs-d'œuvre à ce moment-là en fait et Nier Automata en faisait tout à fait partie et c'était, je l'avais dit peut-être un peu maladroitement dans un podcast à l'époque, mais c'était vraiment l'essence de ce qu'on peut attendre d'une certaine frange du jeu vidéo japonais en fait. T'as vraiment l'impression de te prendre des shots de japonisme, de japanimation et de jeux japonais. Énorme. Alors j'ouvre la 6e position
Et là, Persona 5, Persona les 5. Amis. Ah, ça m'étonne pas de le voir là. Avec 266 points. Je fais mon Ken, je montre les pochettes. Regardez, je l'ai le jeu. Deux premières places, une troisième place et deux quatrièmes places. Non, même deux troisièmes places, deux quatrièmes places. Ah ouais, vraiment, il a été... plébiscité. Il a été largement sollicité, ouais, exactement. Je pense que Guillaume peut nous parler de Niro, de Persona 5 avec sa belle boîte. Oui. Persona 5, très, très, très réussi. Un très bon JRPG, un peu long. Mais moi, ce perso, c'était mon premier essai de la série. Donc après, j'ai fait le 4 et le 3. Vraiment, c'était un très bon moment, une très bonne expérience. Mais ça a duré sur plusieurs, parce qu'il est très, 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 très long. Ouais. Ça a duré sur plusieurs mois. J'ai mis longtemps à le finir, mais... je suis super content qu'il soit aussi loin. Je l'avais pas mis aussi loin, il me semble, mais très bon jeu, très bien écrit, agréable, qui se vit comme une petite année de lycée nostalgique, quoi. Tu vas faire The Royal ou pas? Oh non, je pense pas. Je vais pas repartir sur 200 heures de jeu, ça va, merci. Ouais, mais c'est ça qui est fou, parce que le jeu est méga clivant dans le sens où il est putain de long. Moi, c'est ce qui m'a empêché de le faire jusqu'à maintenant. Ouais, mais il y a un système de combat qui est très réussi, et puis ça reste un JRPG. Les JRPG, c'est quand même assez long. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus long que la plupart, mais c'est pas, ça m'a pas choqué. Je trouve qu'il est trop long, mais ça m'a pas, je me suis pas dit, oh mon dieu. Théo, en tant qu'ancien de Persona, puisque toi tu jouais à Persona numéro 1 non. sur ta PlayStation. Non, mais j'avais un ami qui était à fond. J'ai un ami qui était à fond dans les JRPG. Il m'avait survendu le Persona 3. Et un mois plus tard sortait le FES, donc je m'étais chopé le FES. Et j'avais kiffé, et le Persona 4, et j'avais aussi à sa sortie, j'avais kiffé, et enfin, le 5, on l'a finalement attendu très longtemps, et c'est vrai que quand il est sorti, j'étais plus dans le mood, parce que je suis plus un collégien, je suis plus un lycéen, je ne fantasme pas sur le fait d'avoir des S-Link, je suis désolé, évidemment là, je taquine les amis, sachez que j'avais adoré ces jeux à l'époque, enfin, je les avais pas finis, attention, je ne suis pas un rôliste à ce point, mais j'étais allé quand même assez loin. Et le 5, du coup, j'ai commencé. Bon, Guigui, tu le sais très bien, j'ai commencé. C'est le plus bavard des jeux que j'ai eu entre les mains. Et pourtant, j'ai joué à Yakuza 0. Les amis, c'est à Guillaume. Yes, 5e place. Alors, dis donc, il y a du 5 en 5e place. Metal Gear Solid 5 avec 273 points. Ken, tu veux en parler? Bon, c'est intéressant de commencer par toi, Guillaume. Tu nous avais dit que tu le ferais cette année. Tu l'as fait ou pas, finalement? Non, c'est vrai que je l'ai acheté Day One. Et vraiment, j'ai pas réussi. Peut-être après Death Stranding, tu vois. Je me dis, peut-être que ça peut être intéressant à faire. Il m'a toujours tombé des mains. Je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois il me tombait des mains. C'est le cas de beaucoup de personnes. Là encore, et c'est vrai que c'est fou avec Self and Top, c'est que encore un jeu un peu clivant, un jeu dont on a entendu parler en bien, mais aussi beaucoup en mal. Peut-être un jeu qui est aussi là du fait de Merugezu, dans le sens où, puisqu'encore une fois, c'est un classement de notre communauté, des gens qui nous suivent, et que MGS5, on en a parlé beaucoup. Il y en a même eu, il y a eu un podcast entier dédié à MGS5 au tout début de Merugezu. Excellent ce podcast. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est aussi haut, mais toujours est-il que... et moi je le trouve incroyable ce jeu, enfin on en a déjà dit beaucoup de bien, il dégage beaucoup de choses en peu de mots, sa narration est très bien faite malgré ce qu'on a pu dire. C'est pas l'open world le plus réussi, loin de là, parce que après c'est un désert dans la première partie du jeu, mais enfin mine de rien c'est quand même assez mal foutu. C'est bizarrement le premier open world où tu t'amuses pas à traverser la zone et où tu prends ton hélico pour faire du fast travel sans arrêt parce que c'est juste relou. Mais à côté de ça, c'est un jeu qui transmet beaucoup d'émotions, qui t'amène à contrôler ta propre armée, qui te fait vivre des choses assez fortes. Je crois que moi c'était mon top 2 pour le coup. C'était vraiment MGS5, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué sur cette décennie, et encore une fois c'est un jeu que j'ai beaucoup de mal à conseiller,
parce que déjà faut que les gens arrivent à passer le cap des deux premières heures qui sont chaotiques quand t'aimes pas être spectateur. Non, mais ça c'est pas ce qui m'a gêné en plus. Ouais. Non, c'est vraiment le début quand t'arrives dans la première zone quoi. J'arrivais pas, je sais pas, je me faisais chier. Enfin, je sais pas, c'était. Ouais. C'était trop. Il y avait trop de trucs, il y avait trop de. Peut-être ça, il y avait trop de trucs à penser. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs au début à gérer, la Mother Base, etc. Ouais. C'est un truc qu'on retrouve d'ailleurs dans Death Stranding aussi, parce que Death Stranding est très très cousin de Metal Gear Solid 5. Mais ouais, Théo, je te laisse conclure sur MGS 5. Moi, tu sais, c'était un peu compliqué avec Metal Gear Solid 5. J'étais en Lettonie, je suis rentré exprès pour y jouer avec mon petit frère Adrien. Et si je me rappelle ouais. bien, on l'a fini en 10 jours en s'alternant l'émission. Et ouais. bah voilà, un grand fan de Metal Gear devant l'éternel, j'en voulais plus. Et comme l'a dit, comme l'un d'entre vous l'a dit, non, c'est toi Ken qui l'a dit. Bon, c'est voilà, en réalité, le Fox Engine était bien, mais le open world en tant que tel, l'aspect infiltration était superbe, mais moi, ça m'a pas foutu une gifle, hein, l'open world de Metal Gear Solid 5. Non, clairement mais pas. Mais clairement, il ouais. y avait des belles clairement choses, pas. Et c'est un jeu qui restera dans les il mémoires. A marqué, oui, il a marqué la décennie, c'est sûr. Oui, il a clairement marqué. En plus, il est sorti pile au milieu de la décennie. Exactement. Il est sorti en 2015. La communication, évidemment, qui a commencé d'ailleurs au début de la avec décennie. Phantom Pain. Donc oui, c'est un jeu de la décennie, tu peux pas faire mieux, quoi. Là, c'est sûr. Ouais, avec Ground Zeroes au début, les teasers. Moby Dick Studio, voilà, c'est ça. Ouais. Moby Dick Studio. C'est ça, il y a où ils avaient annoncé un jeu qui s'appelait Phantom Pain. Non, mais c'est ça. Oui, oui. C'est ça. Et le Metal Gear Solid était caché, en fait, dans le titre du jeu. Et les gens avaient détouré. Enfin, c'était vraiment génial. Et puis, puis même, tu le disais, enfin, tu parlais du Fox Engine, Théo. Ouais. C'est un jeu qui est encore magnifique aujourd'hui. Ouais, ouais. Parce qu'il est super intelligent. Il met les ressources au bon endroit. Ouais, c'est ça. Et du coup, bon, il y a des trucs, c'est pas très beau, mais tu les vois pas, donc tu t'en fous. Et ça, c'est super cool, ouais. Alors, Théo, c'est ton tour. Mais alors, moi, dans ma tête, le top 4 se dessine. C'est pas forcément des jeux que j'ai mis dans mon top, ouais, mais dis-moi. Je pense savoir ce qu'on va retrouver dans le top 4. Je te laisse cliquer. On va cliquer tous ensemble pour dévoiler la quatrième position. Et là, du coup, C'est marrant, Ken, parce que moi, dans le feu de l'action, figure-toi que je n'y pensais même plus à ce jeu-là, alors que je l'ai mis dans mon top, il me semble qu'il est dans mon top 3 aussi, ouais. Alors, en quatrième position, avec 277 points, donc seulement 4 points de plus que Metal Gear Solid 5, eh bien, c'est Witcher 3, The Witcher 3. On est dans l'actualité, la série vient de sortir sur vos plateformes de streaming. C'est vrai. Voilà, un jeu que... Guigui, tu vas en parler ? Ah bah non, mais toi, tu vas dire qu'il est nul. Tu vas dire que le gameplay n'est pas bon. Non, pas du tout, il est dans mon top. Ouais. Ah, non. Je rigole, Guigui, je rigole. Il fait partie de ces jeux que je trouve mal équilibrés. Ces jeux où si tu mets en facile, c'est trop facile. Si tu mets en normal, c'est trop compliqué. Ah bon ? Moi, j'avais un peu galéré en normal, mais... Ouais. Mais non, le scénario et la narration extraordinaire, un putain d'open world, des persos cool, un système de combat qui fonctionne. Non, bah, pourquoi je dirais que c'est nul ? Non, je pensais au système combat que t'avais peut-être pas tant aimé que ça, je le crois. Le système de combat, je l'ai pas trop kiffé, non. Ouais, voilà. Et c'est pour ça qu'il était que 21ème dans mon top, tu vois. Après, ouais, je comprends, ouais. Après, il y a peut-être un distinguo à faire. En tout cas, moi, je le ferai. C'est que le jeu de base, quand il est sorti, m'est tombé des mains, je l'avoue. J'avais aussi peut-être pas la bonne config pour jouer, donc ça n'arrangeait rien au problème. Mais le jeu de base, je me souviens que le game feel ne me correspondait pas trop. Je sais qu'au fur et à mesure, ils l'ont patché, ils l'ont amélioré. Et surtout, moi, je parle de l'expérience quand je le mets en deuxième ou troisième position. C'est l'expérience globale aussi avec les DLC que je me suis mangé tout d'un coup. Qui m'a mis vraiment une sacrée gifle, que ça soit comme tu l'as dit la narration, esthétiquement ce qui se passe, même musicalement l'atmosphère en fait, ouais. Tout ça, l'âme du truc en fait, le fait que voilà, dès que tu parles à quelqu'un, au bout d'un moment tu rentres dans le truc et t'es intéressé par tout ce qui se passe et tu, enfin ouais. Vraiment, je suis rentré dedans comme jamais, comme pas permis. Et un sacré jeu, je trouve, et voilà. Vous savez, autant je suis hypé par le cyberpunk
4. Donc, qu'est-ce que je dis? Autant je suis hypé par. Autant on fatigue, ça fait 2 heures qu'on est debout là dans les lampes. Et oui. Autant 2h30, autant je suis hypé par Cyberpunk, autant secrètement je me dis vivement le prochain Witcher avec ce niveau de maîtrise. Quand tu vois, je suis plus un mec de l'heroic fantasy que de la SF en réalité la plupart du temps. Et là, quand tu vois même la série, j'ai commencé à regarder la série. Bah ouais, ça me donne juste envie de lancer le 4e épisode potentiel. Je crois qu'il est dans le top des ventes Steam, Witcher 3 du coup. Ouais, là il s'est refait propulser avec la série, tu penses? Ouais, ouais. Je pense que ouais mais je crois qu'il était pas le seul parce qu'il est repassé dans le top seller sur Steam. Mais là, et je pense que Witcher c'est aussi un jeu qui dit un truc très clair, c'est si les amis qui créent des jeux vidéo, les studios, etc., faites de la qualité, ça paiera. Tout le monde ne peut pas faire peut-être ce niveau de qualité, mais les mecs, ils se sont vraiment dit, on veut faire un bon jeu, et ils l'ont fait au bout d'un moment. Tu vois, il y a eu le 1, le 2, et le 3, ils ont fait leur masterpiece, et ils continuent à se vendre, et ça fait des séries, fait des et machins. Et c'est de prenez votre temps, et au final, vous serez forcément récompensé. Voilà. Mettez des petits, on se souvient du petit mot, dans le jeu, merci d'avoir acheté, on va vous faire des DLC gratuits, etc. C'est ça. Et ouais, c'est ça, exactement. La bienveillance envers les joueurs. La bienveillance, la passion et penser long terme et pas juste à faire un truc on sait bien, il y a eu des jeux récemment qui sont sortis tout le temps, pas tellement finis et tout. Voilà, moi ça me saoule parce que je vais le dire vite fait, mais depuis que j'ai commencé un peu, je bosse un peu en tant que level designer. Je dois le dire, mais je me dis l'ancien, un nouveau niveau. Mais non, mais je vais pas développer. T'inquiète, je veux juste dire que en bossant, je suis désolé, ça fait plus d'un mois maintenant, tous les jours, je me dis, mais t'as envie de faire un truc qui dépasse le cadre du jeu sympa à jouer que tu balances à la poubelle. Et c'est là le sujet qu'on est en train d'aborder en faisant ce top de la décennie, c'est comment on fait des jeux qui marquent les esprits, n'est-ce pas? C'est très bien dit. Et voilà. Les amis, avant de passer au top 3 de la décennie selon la communauté de Murugezu, on va vous énoncer nos top 3, donc très rapidement. Donc rappelons-le, nos tops avaient la même valeur que les autres tops, oui. On ne s'accordait pas de points en plus parce qu'on était de la team Murugezu, donc ça donnait exactement le même nombre de points. On va commencer par moi parce que je vous ai déjà quasiment tout spoilé. Ouais. Donc mon top 3 c'était Metal Gear Solid 5, du coup mon top 2 c'était Yakuza 0 et mon top 1 c'était Bayonetta, donc en termes de ce que j'ai donné comme points, j'ai été plutôt gâté. Les jeux auxquels j'ai donné beaucoup de points se sont retrouvés en tout cas dans la deuxième moitié, donc ça fait plaisir. Guillaume, c'était quoi ton top à toi? Alors mon top, vous connaissez déjà tout presque. Il y avait en troisième position Legend of Zelda Breath of the Wild, deuxième position Last of Us et premier Mass Effect 2. Donc il y a deux de tes jeux pour le moment qui ont été évoqués et il y en a un qui n'a pas été évoqué. Tiens, donc, qu'est-ce qui va l'être d'ici la fin? On va voir. Et toi, Théo, de ton côté? Alors moi, j'ai pu voir, du coup, avant de commencer, j'ai vu ceux qui n'avaient pas été retenus dans le top final. Donc le mien, mon troisième a été aux portes du top 50. C'était Prey de 2017, un jeu qui résume pour moi toute une partie de ma vie en tant que joueur de d'immersive sim dans la façon dont il le donne. C'est le système choc 2 du futur, c'est le Deus Ex et tout. C'est peut-être le dernier immersive sim dans ce genre-là qu'on aura, vu que bon maintenant Raphaël Colantonio ne travaille plus, n'est-ce pas, sur Arkane, et il bosse sur quelque chose de top down, etc. Et on verra. Que ça a pas marché. Ça n'a commercialement pas marché, et même moi avant d'y jouer. Je pensais pas que ça allait autant me plaire, et au final ça a tellement bien résumé une partie de ma vie de gamer, j'ai adoré. Top 2, j'ai mis Witcher 3, du coup une gifle, j'en parlais précédemment, et top 1, j'ai mis Dark Souls, le premier, tout simplement. Les amis, le top 3, donc du coup c'était le nôtre, on va passer à celui de la communauté, on va ouvrir le troisième du coup, et le troisième c'est, Théo, tu viens de l'évoquer. Ah. C'est Dark Souls 1, 292 points, donc 15 points de plus que The Witcher 3, et qui a eu beaucoup de votes, on va les compter parce qu'il y en a pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et on remarque qu'il a été, en effet, Guillaume, 4 fois top 1. Ouais. Donc là c'est du sérieux, c'est serious business. On a pas mal parlé de Dark Souls 1 pendant ce top. Donc on va peut-être un petit peu plus concis. C'était génial.
C'était Dark Souls 1 qui était aussi un jeu de 2010, si je ne m'abuse. Moi, je l'ai fait un petit peu plus tard. Je l'ai fait en 2015, un truc comme ça. Ouais. 2015, je crois. 2015 ou 2016. Et c'était super cool. Moi, personnellement, c'était un jeu, je me disais, mais putain, le jeu, il est trop chum. Je vois pas ce qu'on lui trouve. Le gameplay, il est super lourd. Et puis, à force d'en avoir entendu parler, j'ai quand même poussé un petit peu et je me suis retrouvé complètement pris dedans. Pas au point de me taper tout le lore, etc. Pas au point de me faire une New Game Plus non plus, parce que... parce que ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec Sekiro, le jeu est quand même assez opaque sur certains détails, mais en tout cas, même en tant qu'aventure unique, quand tu le fais une fois, ce que tu vis dedans, etc., tu kiffes, et c'était vraiment un jeu extraordinaire. On a beaucoup parlé de son level design, qui te faisait rejoindre des points a posteriori, donc c'est pas Dark Souls qui a inventé ça, mais c'était superbement bien fait. Donc Dark Souls... je crois que je l'ai mis aussi dans mon top pour le coup, Dark Souls, et ouais, c'est un jeu qui a clairement marqué la décennie, donc ça m'étonne pas de le voir troisième. Ouais. Je veux juste laisser la parole à Guillaume, parce que je sais que son avis sur Dark Souls est autrement plus mitigé. Parce que je l'ai fait avec toi. J'ai joué Dark Souls avec toi, chez toi. Ah oui, ça se limite à ça, donc. C'était, voilà, c'est 2 heures sur un jeu où je disais, putain, mais c'est de la merde! Putain! Voilà. Okay. J'ai joué sur Switch. J'avais joué à l'époque sur PC, je l'avais téléchargé, je me rappelle, à l'époque où j'étais un théophile. Pareil, ça fait partie de ces jeux que je sais juste que c'est pas pour moi. Voilà, ouais. C'est des jeux qui moi encore, enfin, il y a encore un truc en plus, mais ces jeux-là m'angoissent un peu. J'ai du mal à avancer, je suis tout le temps dans la peur, etc. J'aime pas ce feeling. Dès que tu tombes sur un nouveau monstre, tu te dis est-ce que je l'affronte, est-ce que je l'affronte pas, est-ce que je cours comme une victime. Et puis surtout là, le peu que j'ai joué, j'ai trouvé ça lourd et pas intéressant. Quoi. Et toi, Théo ? Bah écoute, Dark Souls pour moi c'est le jeu qui a traumatisé toute sa génération. Je parle pas des joueurs, je parle des développeurs. C'est que on en parle de temps en temps avec mon frère ou même sur le Discord Merugesus. C'est le jeu préféré des développeurs, c'est Dark Souls. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc, si on parle de jeu qui a marqué l'industrie, pour moi, c'est celui-ci. Je l'ai mis, du coup, en première position. Est-ce que c'est... Enfin, ça, c'est même un jeu qui va chercher ses références dans des trucs qui, moi, me parlent, c'est-à-dire les anciens jeux de rôle papier ou les livres dont vous êtes le héros et tout, les Donjons et Dragons et tout. C'est, je suis rôliste papier, ne l'oubliez pas, à la base, en tout cas. Non, je déconne, mais c'est vraiment... c'est un truc, moi, qui m'a parlé dans mon adolescence, et là, de le revoir un peu sublimé dans le jeu... et avec tous ces idées de game design, évidemment, tous ces secrets, encore une fois, la position du secret, la place du secret dans Dark Souls. Moi, c'est dans les jeux vidéo en général, le secret, ça me parle, ça me fait... J'aime trouver des trucs et me dire, oh putain, on pouvait faire ci, on pouvait faire ça. Et voilà, bon, on va pas tergiverser sur ce jeu de ouf, mais ouais, voilà, jeu de ouf. Et même esthétiquement, en fait, je trouve qu'il a ce cachet, encore une fois, de vieille heroic fantasy, bien qu'il pue la poussière, ça ne veut rien dire, mais j'aime bien ça. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Pourquoi Dark Souls 1 plutôt que les autres, alors? Ah bah, Dark Souls 1... Bah, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est... Bon, il y avait eu Demon's Souls avant lui, mais lui, personne n'y a joué, entre guillemets. Et en fait, Dark Souls, c'est celui qui a mis la grosse tarte à tout le monde, et donc du coup, bah, c'est celui qu'on a en tendance à retenir. Je sais que Dark Souls 2 a pas bonne presse, et après, Dark Souls 3 reprenait la formule et la magnifiait, mais bon, la tarte était passée. Et puis en termes de level design, le premier, je crois qu'il est imbattable sur ce point. Oui, en termes de comment le monde est créé, c'est inédit, c'est incroyable, et aussi. Il y a Dark Souls 1, il fait un truc que tous les autres ne font pas, c'est-à-dire autant Demon's Souls que Bloodborne ou quoi, c'est qu'il te laisse pas te téléporter au feu de camp, à la base. Et ça, c'est ça qui a... Oui, il faut l'obtenir plus tard. Oui, mais plus tard, c'est bien, bien, bien plus tard. C'est bien, bien, bien plus tard. Oui, c'est oui, ça oui, qui c'est a traumatisé tard, les game designers. Et quand tu joues à Hollow Knight, tu ne te téléportes pas au feu de camp. N'est-ce pas? Tu restes cloîtré, tu t'engages et tu te dis où vais-je, où me dirige, et si tu veux retourner en arrière, faut retourner. Ouais. Ça change tout, et oui. Tout au level design. C'est vrai. T'as ça raison, change tout au level raison. Design, je trouve en tout cas. Et c'est seulement dans Dark Souls 1 cette feature-là. Alors, en deuxième position avec 333 votes,
Ouais. Bloodborne. Bloodborne a tout cassé, parce que là, on est à 333 points. On est à 40 points de plus que Dark Souls. Là, c'est assez ouais, unanime. C'est le jeu qui, je pense, en termes de points, c'est le jeu qui réunit toutes les générations. On est encore en face d'un jeu, c'est marrant, parce que Bloodborne, Witcher 3 et Metal Gear Solid 5 sont tous sortis au milieu de la décennie, c'est-à-dire 2015. Et du coup, c'est un jeu qui a Bloodborne, je pense que cette somme de points 333, ça se justifie aussi parce que c'est un jeu qui a parlé aussi bien aux anciens qu'aux plus jeunes qui ont pu y jouer, etc. Sur le Discord, il faut savoir. Alors le vote ne s'est pas limité que au Discord, hein, aussi on l'a ouvert plus tard aux gens qui voulaient sur Twitter, mais sur le Discord on a un peu de tous les âges, et donc forcément un jeu qui a touché les plus jeunes et les plus vieux, bah il va faire l'unanimité au final, on le constate ici, et c'est très bien, hein. Attention, c'est pas, moi je suis très content, oui, là. Et je sais que ça soit les gens qui ont plutôt 35 ans, ils ont kiffé Bloodborne, et les jeunes qui ont plus, on va dire, la vingtaine à la limite, 18-20 ans, ils ont kiffé Bloodborne. Et voilà, c'est le jeu, c'est la synthèse de Hidetaka, encore une fois. Et décidément, c'est bien lui qui aura marqué la décennie, je pense. Et avec, encore une fois, une identité visuelle de ouf, un gameplay, une ambiance et tout. Non, ouais, c'est moi, ce qui me surprend, c'est que ce soit un jeu exclusif qui soit aussi haut, parce que Bloodborne, c'est vraiment le jeu où tu peux y jouer que sur PS4. Il est même pas sorti PC, je crois. Pas sorti. Non, voilà, Donc c'est PS4 uniquement, et pourtant deuxième, ça a raflé v'là les points. Je pense aussi que c'est le palier après Dark Souls 1 justement qui a fait péter un câble à nouveau à pas mal de gens. C'est pas un jeu que j'ai encore fait, parce que comme je disais tout à l'heure, je saute à chaque fois un Souls, et lui il fait partie de ceux que j'ai sauté un peu inconsciemment, donc je l'ai pas encore fait, mais j'en entends toujours beaucoup de bien. Et puis surtout, c'était à l'époque le Souls qui permettait de dépoussiérer un petit peu justement ce côté très lourd des Dark Souls. Là il était cassé dans cet épisode où le personnage était un petit peu plus mobile. J'avais fait le tout début du jeu à l'époque, mais j'avais pas été plus loin, et ça m'étonne pas de le voir là. Je m'attendais à le voir là quand je vous disais il reste plus beaucoup de jeux, je vois le truc se dessiner. Après, comme tu le disais Théo, au final on peut dire que c'est Hidetaka Miyazaki qui a marqué la décennie, parce que c'est les jeux où il a été réalisateur qui sont là, et les autres les autres sont pas là. Et là, c'est le troisième jeu de Miyazaki qu'on évoque dans un top 50, donc c'est quand même assez fou. Quatrième jeu du coup, parce qu'il y a eu Sekiro, Dark Souls attends, 3, ah oui, il y a eu Sekiro, excuse-moi, c'est le quatrième. Et en plus, ce que t'as dit sur la PS4, désolé Ken, toi grand fan de Xbox devant l'éternel, mais ça, je déconne, mais ce que je veux dire, c'est que ça résume aussi que, en effet, cette génération a plutôt été gagnée, entre guillemets, par la PlayStation, si une exclusivité est aussi haute. Mais on souhaite, les cartes vont être rebattues d'ici la fin de l'année, Et puis on n'a pas vu quel est le top 1 aussi. En effet, est-ce que c'est un jeu PS4? Ça. Et là le top 1 c'est Days Gone. Théo, je te laisse la primeur de dévoiler la première position du top 50 de la décennie par la communauté Merugezu. Oui, Ken, ai-je vraiment besoin de cliquer? On sait qui j'ai a même gagné. Pas Alors, attends. Avant qu'on clique, est-ce qu'on peut faire un pronostic? Je pense que c'est Breath of the Wild. C'est évident. Enfin, je veux dire, première position. Allez, clique, Théo, dévoile la case. The Legend of Zelda Breath of the Wild avec 537 points. Donc, pour vous situer, Bloodborne, il avait 333 points. Celui-ci a 537 points. Le truc a 200 points de plus que le deuxième. Voilà, c'est ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Avec 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 top 1 et que des top 2, top 3. Il a tout. C'est incroyable. Ouais, non, mais là, on pouvait rien faire. Là, il y avait de la marge. Pour le détrôner, il y avait de la marge. Définitivement. Et là, j'utilise définitivement dans le bon sens. Je veux dire, c'est définitif. C'est le jeu de la décennie qui a marqué. En tout cas, les joueurs. C'est un mélange de plein de choses. La première position de Breath of the Wild. Je pensais pas qu'il serait. Alors, je me doutais qu'il serait premier, mais j'étais pas sûr personnellement. Ouais, moi non plus. Mais je pensais certainement pas qu'il serait autant en avance par rapport aux autres. Là, c'est assez fou. Ouais. À
Après, je sais pas, c'est difficile parce que moi, rétrospectivement, c'est un jeu que j'ai adoré, mais au final, je me dis bon, bah c'était un espèce de prototype. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est que il était cool, mais il y a largement mieux à faire avec ce qu'il proposait. Ouais, c'est un jeu qui est génial, mais il a commencé un truc, mais il l'a pas fini. Je sais pas comment l'expliquer. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, je suis assez d'accord. Ou en tout cas, il a tenté un truc qui gagnerait à être un peu à évoluer, qui gagnerait à évoluer tout simplement. Est-ce que c'est pas ça, voilà. Est-ce que c'est pas ça aussi ce qui est génial? Et au final, c'est ce qui fait que Dark Souls est aussi bien placé. Oui, c'est que c'est des jeux qui posent une pierre et qui relance et qui rebat les cartes en fait, qui retourne la table et qui dit allez hop, on recommence et on va refaire des jeux plutôt comme ça. En fait, Est-ce qu'on n'a pas eu une décennie Dark Souls et qui finit dans le top 3 et au final on va se taper une décennie Breath of the Wild. C'est possible. Qui, visiblement c'est ce que les gens veulent, tu vois. C'est j'ai retrouvé beaucoup de Breath of the Wild dans Death Stranding. Pareil. Et ce qui est fou, c'est que Death Stranding, quand il a été lancé, je crois que c'était 2015 ou 2016, Breath of the Wild n'existait pas encore. Et c'est assez incroyable, du coup, que ça s'entrecoupe comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est contemplatif. C'est vraiment des jeux qui mettent l'accent sur le chemin et pas la destination. Mmh. Et oui, tu passes, enfin, quand t'es pris dans le truc, tu passes des moments extraordinaires à te dire, j'ai été là, je vais aller là. La quête des Korogu a fait péter un câble à bien plus d'une personne. mais après, ouais, c'est un jeu que j'adore vraiment. Je suis pas en train de pisser dessus, mais il était perfectible sur quelques petits points ici et là qui ont fait que personnellement, il a pas, avec un peu de mauvaise foi, je dois l'admettre, mais il a pas atteint mon top 25 personnellement. Ah ouais. Je l'ai pas mis. Ouais, non, mais je te comprends complètement, mais à un moment donné aussi, c'est un jeu qui a tellement été, qui a tellement mis tout le monde d'accord à un moment qu'on se dit, bon, peut-être dans mon top perso, je vais mettre en avant des choses qui sont plus personnelles, justement. Peut-être aussi. Y a beaucoup de gens qui l'ont mis en top 1. Je respecte vos opinions, il n'y a pas de souci, mais c'était un top perso. Il fallait mettre Danganronpa. je déconne, évidemment. Non, mais c'est ce jeu, c'est aussi la façon de réinventer une licence, en fait. Tout simplement. C'est que oui, c'est ça. La licence Zelda, c'était déjà une des plus grandes licences du jeu vidéo et elle n'a fait que réinforcer ce statut pour devenir définitivement la licence ultime du jeu vidéo, quasiment, qui a marqué chaque époque du jeu vidéo depuis 1987, si je ne m'abuse. Le premier, A Link to the Past, Ocarina of Time, même Majora's Mask, même Wind Waker pour l'époque, ce qu'il faisait. Après, ça c'est enfin moi j'adore, mais bon, on pourrait considérer que ça s'est essoufflé. Et là, boum, ils reviennent et encore une fois, ils défoncent tout et tout le monde est à fond. Et c'est ça qui a fait plaisir aux gens et faire aussi une synthèse de cette série où on va chercher des références, mais on va chercher des idées dans le premier Zelda avec justement des références aux différentes époques du lore Zelda et tout ça condensé dans un jeu. Mais Ken, moi je suis aussi d'accord avec toi. Honnêtement, Breath of the Wild 2 a la possibilité d'être un jeu incroyable. Exactement. Parce qu'il y a moyen de transcender. Moi encore un peu comme un peu à la manière d'un Metal Gear Solid 5, j'en voulais plus, j'en attendais plus. C'est peut-être le problème avec les jeux quand on se hype trop. C'est possible. Voilà, on en veut plus. Il a déjà donné beaucoup, mais je sais pas. Mais bon, grand jeu en Guillaume, tout cas. Guillaume, à toi. Toi, tu l'avais placé assez haut dans ton top, donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que c'est un jeu que j'ai refait il y a pas longtemps, et je pense que sur ma première fois, tu m'aurais demandé, il serait peut-être même pas être dans mon top 25. Ok. Et là, je l'ai refait, il est dans mon top 3. Ouais. Je pense que il fait partie de ces jeux ou de ces œuvres, je pense en général, qu'il faut voir avec un certain regard et un certain mood, tu vois. Et peut-être quand je l'ai fait un peu trop, comme je fais tous mes autres jeux, c'est-à-dire, moi j'avance, je fais la fin, je suis content, mais je vais jamais trop loin. Et là, du coup, vu que c'est un jeu où tu es censé te perdre, moi ça me saoulait de me perdre, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Et le fait de le refaire avec quelqu'un et de voir entre guillemets
Bah pas non plus rusher le jeu et proposer peut-être en tant que, peut-être un peu plus réalisateur entre guillemets dans que joueur et essayer de pouvoir proposer une expérience correcte à la personne qui regarde aussi. Ça m'a poussé à vivre le jeu autrement et j'ai découvert quelque chose qui était ouais que tu vis pas dans beaucoup de jeux vidéo quoi. Non, moi je comprends pourquoi plein de gens l'ont mis en top 1. Peut-être parce que moi je l'ai pas mis en top 1, peut-être parce que ça fait encore pas trop longtemps que j'ai vécu ça, donc peut-être que avec le temps ma mémoire et ma nostalgie plus, faire que ça serait limite mon top 1. Ouais. Mais là il y a ce truc ouais où je peux comprendre que voilà, le jeu comme tu dis, c'est un jeu qui privilégie pardon le voyage à la destination oui. Et c'est assez intéressant et je pense que comme je disais tout à l'heure, c'est assez, je pense que notre décennie elle va être marquée par ce jeu, et comme Dark Souls a marqué celle-ci quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'était audacieux, cette non-linéarité de faire les donjons dans le sens que tu voulais, etc. Et tous ces petits trucs qu'il y avait en plus, la cuisine, l'usure des armes. En fait, le jeu est assez couillu de A à Z et c'est assez fou de voir un tel écart, alors que c'était une licence qui était qui rabâchait toujours la même recette en boucle et en boucle. Et moi, j'en pouvais plus des Zelda à cause de ça. Et là ouais, d'offrir totalement quelque chose de nouveau, mais pas au-delà de la licence dans le jeu vidéo, c'est vrai que c'était fou, ça a été une bouffée d'air frais pour beaucoup de personnes. Je pense aussi que le fait que ça a été le premier jeu Switch pour quasiment tout le monde, ça joue aussi, parce que du coup on a découvert une nouvelle façon de jouer avec Zelda. Et non ouais, je suis d'accord qu'il mérite largement sa place, mais moi je suis vraiment curieux de voir ce que va être la suite de Breath of the Wild, mais je trouve que le concept de dire on te donne tout dès le début, t'as toutes les clés en main, tu peux faire ce que tu veux. Et le jeu est pensé de telle sorte à ce que tu, parfois, t'ailles en dehors des limites qu'il t'a fixées. Je trouve que c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment un grand jeu, quoi. Il mérite largement sa place. Eh bien, les amis, nous allons conclure ce top 50 de la décennie. Donc du coup, c'était assez cool comme exercice. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, je trouve qu'en final, c'est intéressant peut-être à la fin, ouais, de voir globalement qu'est-ce qui est ressorti de ce top. Après, bon, comme d'hab, vous faites chier à avoir mis beaucoup trop de Miyazaki, mais bon. j'étais plutôt surpris, honnêtement. Je pensais pas que le top 3 se dessinerait comme ça. Je savais que les Zelda serait premier, ça c'est sûr. Mais tu vois, c'est vrai que j'avais oublié que notre communauté était très japonisante, donc du coup, il y avait certains jeux, tu vois, que je me disais, tiens, ça finira bien en top 1, ça, et au final, pas du tout. Du genre? Il y a juste un jeu que je suis, enfin, pas surpris, mais je trouve ça dommage, parce que c'est quand même un jeu qui a beaucoup apporté aux jeux vidéo, c'est Forza Horizon 2. Je trouve que c'est une série qui est quand même, qui méritait sa place dans le top, du moins le top 50. Je suis un peu déçu que ça y soit pas, mais je peux comprendre, tu vois, que ça parle pas à tout le monde, mais oui. C'était un jeu quand même qui a quand même, mine de rien, qui a apporté pas mal de choses au jeu de course et qui est un bon vent de fraîcheur. Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Moi, il n'y a pas de jeu où je m'attendais à les voir, je les ai pas vus, je crois, je suis en train de regarder. Est-ce qu'il y a des jeux de ton temps top que tu voulais, que tu trouves, que, où t'es déçu de pas les voir? Alors, je suis surpris de pas voir Cuphead, parce que j'avais mis Cuphead. C'est vrai. Ça, c'est ce qui me surprend peut-être le plus. Après, dans le reste de mon top, non, j'ai eu pas mal de jeux représentés. J'ai eu Metal Gear Rising, j'ai eu Resident Evil 2, j'ai eu les deux Bayonetta, j'ai eu Mario Kart. Enfin, là-dessus, j'étais quand même assez en synergie avec notre communauté, on va dire. Ouais, il y a juste Cuphead où, avec le bordel qu'il y a eu autour du jeu, je m'attendais à le voir au moins dans le top 50. Ça n'a pas été le cas. Mais sinon, non, le top me semble assez cohérent, pour le coup. Avec la communauté. Oui, c'est vrai. Avec la communauté, oui, toujours, toujours. Et je suis quand même, tu vois, mine de rien, même si on est une communauté, forcément, qui sème le vent récolte la tempête, hein, on parle beaucoup de jeux japonais, il y a quand même des jeux comme The Witcher qui ont réussi à se hisser très haut, et c'est quand même assez surprenant. Mass Effect 2 aussi, je m'attendais pas à le voir aussi haut, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que, enfin, je me disais, ça parle pas trop aux gens qui suivent Merugezu, voilà. Donc il a quand même réussi à se tirer une belle part du gâteau, donc c'est cool.
Non, ouais, c'était vraiment une expérience assez sympathique parce que l'exercice était difficile. Vous avez super bien joué le jeu, on tient à le dire, hein, parce que vous vous êtes pris la tête. Il y en a qui ont attendu le dernier moment pour remettre leur top parce qu'ils voulaient rien oublier, donc ils ont fait des brouillons pendant des jours. Ouais. Enfin, c'était assez ouf. Merci à eux. Pas merci à ceux qui ont balancé 50 tops. Non, ça va, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont voulu faire d'autres versions. Donc non, ouais, c'était vraiment sympathique comme exercice. Bah, on le refera pas parce que 10 ans, ça fait loin. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment sympathique à faire et c'était super sympathique à dépouiller. D'autant que comme on connaissait pas les réponses, bah, c'était marrant là de découvrir tout ça. Ouais. Théo, c'est quoi ton avis sur le jeu? J'allais dire, moi, j'espère qu'on en refera un dans 10 ans, mine de rien, quitte, voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais moi, j'espère qu'on se retrouvera dans 10 ans, les amis, pour un top de la décennie. Et si ce format marche bien, on pourrait même imaginer en faire un pour 2000-2010. Là, j'improvise. Hein. Je n'ai pas le feu vert de mes collègues, mais bon, voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme exercice et voilà. La prochaine fois, on le fera assis, par contre, hein, parce que. Oui, ouais, c'est vrai, parce que là, on est quand même à. On est à 3 heures debout, je commence à perdre ma colonne vertébrale. J'ai pas mangé de la journée, je crois que je commence à perdre conscience. Je me suis mis à genoux à terre, là. J'ai mis un genou à terre. Je pense bon, les amis. Faut y aller. Ouais, faut y aller. Pas de GTA dans le top, par contre, je viens d'y penser. C'est vrai. Pas de GTA. C'est vrai qu'il y a pas de GTA 5. Bah, pas de GTA 5, tout simplement. Pas d'Uncharted et pas de GTA. C'est intéressant. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Maintenant que t'en parles, c'est vrai que... C'est surprenant. Je regardais un peu mon top, non, il y a pas mal de choses qui sont passées, à part le Prey, évidemment, mais ça, je m'y attendais, et puis voilà, quoi. Non, c'était bien. Ouais. Très bien. Yep. Et écoutez, les amis, on va se quitter. Merci encore une fois à tous les gens qui ont participé, parce qu'on a quand même eu une quarantaine de votants, un petit peu plus, on s'y attendait pas, on se disait, bon, ça va pas dépasser les 20, mais au final, il y a pas mal de gens qui ont participé, d'autant que c'est pas, encore une fois, un exercice facile, donc qui ont joué le jeu. On se retrouve du coup tout le long de l'année 2020 hein, pour d'autres contenus de Merouguezou. Moi je vais prendre un vol pour quitter New York parce qu'il est temps que je m'en aille maintenant qu'on a célébré cet événement et ma foi on vous dit à bientôt pour plus de contenus Merouguezou. Salut. Ouais, ciao. Ciao. Salut.